Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du Conseil municipal de Dieppe en ce 14 mars. Aucune annonce spécifique, mais pour le mot d'ouverture à l'item numéro 2, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, j'appelle la réunion à l'ordre. Monsieur le directeur général, en confirmation du quorum, tout le monde est ici ce soir. Et on a même de la visite en plus de ça. C'est après deux ans de COVID, puis de Zoom, puis de toutes ces choses-là, ça fait plaisir de voir du monde dans la salle. Alors, déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'on a des membres du conseil qui auraient des conflits d'intérêts? Monsieur Lantaigne. 11.1 à 11.4. 11.1 à 11.4. Vous avez bien dit de 11.1 à 11.4. Oui. C'est bien, c'est noté. Alors, maintenant, pour l'adoption de l'ordre du jour avec... Alors, Monsieur le maire, on voudrait ajouter à 10.1.2 un sujet qui est le titre « Contribution financière, sauvons la vie ukrainienne ». 10.1.2. OK. Merci. On en a déjà fait la proposition. Non, pas encore. Alors, pour ça va prendre une résolution du conseil proposée par le conseiller. Thibodeau, pour le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette, que l'on ajoute l'item 10.1.2. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui. Oui. Le contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Nous allons ajouter cet item au 10.1.2 concernant la situation en Ukraine. Alors, maintenant, pour nous amener au prochain item qui est la demande de renseignement, notre demande de renseignement envers les membres, un membre de la GRC. Pour ce soir, nous avons le sergent d'état-major Mario Fortin qui est avec nous, probablement au téléphone, j'imagine. Oui, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur sergent d'état-major. Alors, c'est ça. Vous avez reçu, j'imagine, là, vu que je ne suis pas là, ce qu'on appelle le crime stat? Non. Ça ne vous a pas été envoyé, là, ce qu'on envoie habituellement à tous les semaines, qui donne une idée des statistiques? Non, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit normalement, hein? On reçoit certainement un peu d'informations lors des présentations de votre collègue, de votre patron. Okay. C'est ça, vu que je ne suis pas certain qu'est-ce que vous recevez tous les millions. Okay. Ben, on parle un petit peu des bons coups puis des mauvais coups. Oui, c'est ça. Les bons coups, ça dépend de quel côté vous vous tenez. C'est qu'on a eu l'équipe de trafic de la division de la province qui est venue faire un tour, là, le 4 mars, et puis ça a été quand même pas mal productif. C'est ceux qui ont fait là, les trois municipalités, mais ça a été quand même productif là, pour soit des véhicules, là, pas d'assurance ou un paquet de choses comme ça. Là. Ça a été quand même là, un bon impact dans la communauté. Aussi avec le comité de trafic, on a vu une référence pour la lumière là, sur le coin Champlain, Champlain, la rue du Marché et Notre-Dame. Et puis, c'est ça, on a commencé à,
à porter attention spéciale sur ce coin-là parce qu'on s'est fait dire qu'il y avait plusieurs lumières rouges là, qui étaient brûlées. Fait que là, on va pouvoir plus rapporter là, des résultats là, au prochain meeting dans un mois à peu près. Là. OK. Alors, merci pour cette information. Est-ce qu'au niveau du conseil municipal, il y a des membres du conseil qui auraient des questions pour le sergent d'état-major? Monsieur Brideau. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Fortin, j'aimerais de savoir, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres, parce que vous parlez d'un projet qui s'est passé le 4 mars dans les trois communautés. J'imagine que dans les arrestations que vous avez faites, il y a toujours la question du téléphone mobile, les gens au téléphone pendant qu'ils conduisent, brûler les feux rouges. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner ce soir? Je n'ai pas les chiffres détaillés exacts de chaque municipalité. Ce que j'ai le total d'une journée. Mais par contre aussi, je n'ai pas le breakdown. Mais je peux dire qu'il y a eu quand même 88 billets d'infraction qui ont été donnés d'étiquettes. Il y a quand même eu 10 avertissements. On a fait tower un véhicule, on a fait remorquer un véhicule. Et puis, on a quand même eu un conducteur qui était suspendu. Et puis, un autre qui avait un mandat pour son arrestation qui était arrêté en même temps. Donc, il y a quand même eu là, 88, 18, à peu près 100, au moins 100 contacts qui ont rapporté là, un résultat, qui ont fait un impact. Mais je n'ai pas là, les stats exacts qui vont dire combien de cellulaires ou combien de lumières rouges, par exemple, ou des choses comme ça qui n'ont pas été respectées. Merci, M. Portin. De toute façon, c'est quand même une alerte à la population parce que on sait que vous êtes sur la route, puis que oui, les infractions, ils sont punissables. Alors, c'est un avis public pour toutes les gens, la vitesse, le bruit, etc. Merci. Merci. C'est pour ça en même temps que je voulais mentionner là, la lumière rouge pour en même temps, là, vu que on sait que les gens écoutent là, le conseil de ville. Fait que c'est pour ça de respecter quand même, quand la lumière vire jaune, c'est pour ralentir puis pour se préparer pour arrêter la lumière rouge. Là. Merci. Prochaine, Mme Godbout. Merci, M. le maire. M. Fortin, je voulais faire suite à des demandes qui ont été faites dans le passé au sujet des défis de circulation devant l'école Mathieu-Martin. Est-ce que vous êtes au courant si des suivis ont été effectués à cet égard-là? Je ne l'ai pas devant moi. Je ne sais pas si c'était mentionné la semaine au dernier meeting, la dernière rencontre. Je ne le vois pas dans les notes. Je peux quand même là, aller vérifier. Donc, vous me parliez, puis ça pourrait être rapporté là, soit par l'inspecteur Jolette quand il revient. De vacances, mais vous parlez en avant de Mathieu Martin, la lumière, le flux de circulation en avant de Mathieu Martin? C'est effectivement ça. Ça peut attendre à son retour. Merci. OK. OK. Merci. Je pensais que peut-être vous étiez pour ajouter la difficulté puis le danger qui est créé par la circulation puis les gens qui ont tendance à arrêter à la mauvaise place. Mais c'est effectivement ça l'enjeu, là, c'est que c'est pas juste la circulation est perturbée parce que les gens ne respectent pas le fait que c'est une entrée vers un restaurant qui est en face de Mathieu Martin et non pas une rue. Les gens ont tendance à virer à droite, rentrer, virer de bord dans le restaurant, puis après ça, aller tout droit vers Mathieu Martin, mais boucher la circulation du flux de circulation. Là, fait que ça crée des embouteillages assez importants le matin et des délais aux gens qui essayent d'apporter leurs enfants. Alors, on espère que ça va se déblayer et que les gens vont mieux respecter le code de la route à cet égard-là. Merci. C'est ça, je vais faire un suivi là, là-dessus pour pouvoir, là, puis j'étais pas au courant. Là. Merci. Merci bien. Je ne vois pas d'autres mains levées ni rien ici. Alors, merci pour votre présence virtuelle et au plaisir de vous revoir. J'imagine que le prochain meeting, la prochaine rencontre va être en personne. Là. C'est bien, ça nous fera plaisir de vous revoir. Okay, à bientôt. OK, alors maintenant pour la prochaine discussion, l'audience publique. 7.2, Monsieur Melançon. 7.1, on parle. 7.2, oh, excusez-moi, Monsieur Fresnel va faire une présentation de l'audience publique. OK. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont.
qui sont ici pour la question de la coupe d'arbres. Alors, on a demandé à M. Frenette, responsable de la planification et le développement des différentes propriétés. Et puis, il va peut-être faire une mise à jour là où on en est. On sait qu'on a tous été choqués il y a déjà presque un an, lorsque, pas tout à fait un an, là, un petit peu moins que ça, là, peut-être plus comme 6 à 8 mois, avec les coupes d'arbres majeures qui ont pris place sur le terrain d'un développement sur la rue Centrale, oui, excusez-moi, la continuation de la Thomas, la rue Centrale. Et on a déjà commencé à s'activer sur le dossier. Alors, M. Frenette, bonsoir et bienvenue. Et peut-être une mise à jour du dossier. Voilà. Donc, merci, M. le maire, membre du conseil, le public. Donc, c'est ça, avant d'aller à mon audience publique, juste donner peut-être un petit compte-rendu où est-ce qu'on est rendu avec l'expert conseil suite à... C'était déjà quelque chose que le conseil avait comme intention de procéder avec une étude sur la réglementation, là, bonifier la réglementation pour ce qui est de la coupe d'arbres sur les terrains privés. Par contre, comme ça a été mentionné, ça a accéléré avec qu'est-ce qui s'est passé là, sur, entre autres sur la centrale, parce qu'il y a d'autres endroits là, dans la municipalité. On parle souvent de la centrale, mais il y a d'autres endroits aussi sur le territoire de la municipalité. Donc, on a fait affaire avec, on a donné un contrat à un expert conseil, c'est un technologue en foresterie urbaine, puis beaucoup d'expérience au niveau municipal. Puis là, présentement, où est-ce qu'on est rendu, là, M. Chicoine a fait des présentations, a fait des propositions au conseil lors d'une réunion publique. Puis vraiment, il y a trois propositions qu'il propose au conseil. La première, c'est vraiment toute nouvelle construction, c'est d'imposer la plantation d'un arbre sur la façade du terrain. Ça, c'est pour les nouvelles constructions. On s'aperçoit, je pense que les gens ici présents aussi, vous pouvez remarquer partout sur le territoire de Dieppe, c'est pas tout le monde qui a un arbre nécessairement sur leur façade ou même sur leur terrain. Il y a beaucoup de terrains à Dieppe qui n'ont pas nécessairement d'arbres de planter. C'est un choix personnel pour certains. C'est sûr que nous, au niveau légal, c'est beaucoup plus facile d'imposer des arbres sur un nouveau terrain qui est vacant suite à une émission d'un permis de construction. Mais pour ce qui est des terrains déjà existants, qui n'y a pas d'arbres, c'est sûr que la meilleure technique, là, ça serait de la promotion, d'essayer d'encourager les gens à planter des arbres. Donc, la première recommandation, c'est vraiment chaque nouveau terrain, chaque nouvelle construction devra avoir la plantation d'un arbre. On est conscient qu'une construction d'habitation, on doit couper des arbres. Lorsqu'on aménage une rue, on doit couper des arbres aussi, mais c'est d'avoir peut-être un juste milieu là, entre une coupe sélective et une coupe à blanc. La deuxième recommandation, c'est l'obtention d'un certificat ou d'un permis pour abattre un arbre sur le domaine privé. Fait chaque membre, chaque résident de la ville de Dieppe qui a l'intention de couper un arbre sur son terrain, devra au préalable obtenir un permis ou une certification quelconque qui démontre que oui, il y a une raison valable pour couper l'arbre, soit une maladie, soit que l'arbre est rendu trop vieux, justement, son cycle de vie est atteint, soit qu'il y a possibilité de danger que l'arbre tombe sur leur voisin, ou même des fois, ça crée un problème de sécurité publique pour les triangles de visibilité. Quand on est à une intersection, des fois, on a des arbres ou on a des arbustes qui font en sorte que, question de sécurité publique, ça a un impact. Donc, on a la possibilité d'aller couper nous-mêmes. Mais par contre, si c'est pour couper un arbre, si quelqu'un veut mettre une piscine ou si quelqu'un veut mettre une baby barn, un cabanon au préalable, ça serait de démontrer que c'est le meilleur emplacement pour mettre le cabanon ou la piscine, voir s'il n'y a pas une possibilité
de localiser le bâtiment ou la dépendance ailleurs sur le terrain. Sinon, mais regarde, c'est sûr qu'il y aura possibilité quand même, là, avec l'obtention d'un certificat, d'abattre l'arbre. Mais s'il n'y a pas de raison valable de couper l'arbre, plutôt, ça pourrait être une raison, je pense que M. Chicoine l'avait expliqué, si jamais que c'est parce que ça crée de l'ombrage ou parce que on est tanné de ramasser les feuilles sur le terrain. Ça sera une discussion qu'on devra avoir, ça devrait être débattu. C'est de voir est-ce qu'on permet à ces gens-là de couper un arbre en santé. Parce que, comme on a expliqué, malgré le fait que l'arbre est sur un terrain privé, ça a quand même une importance pour le bien-être de la communauté au complet. On sait les avantages qu'un arbre peut avoir au niveau de l'environnement, au niveau de les gaz à effet de serre, capter les gaz à effet de serre, le CO2, etc. Puis finalement, je dirais les deux premières recommandations, c'est vraiment pour les particuliers, tandis que la troisième recommandation ou proposition là, de Bruno Chicoine, c'est vraiment avant l'aménagement d'un projet de lotissement pour créer des lots et développer du résidentiel, c'est vraiment d'obtenir, faire une étude arboricole. L'étude arboricole, vraiment, c'est avant même de pouvoir couper un arbre dans le lotissement, le développeur devra fournir avec des experts en la matière, soit des technologues en foresterie ou des firmes d'architecture du paysage. C'est de fournir une étude arboricole qui démontre les types de peuplements qu'il y a sur le terrain, voire aussi les peuplements qui peuvent être conservés, d'autres arbres que sont peut-être moins aptes à la survie ou sont peut-être moins importants. Ceux-là seraient possibles de couper, mais encore là, c'est qu'en proposant le projet comme tel, on pourrait justement avoir cette étude-là, puis c'est voir quel arbre qu'on peut conserver, si on est capable de déplacer la rue ou si on est capable d'avoir différents, excusez-moi le terme, différentes pockets là, d'arbres qu'on pourrait conserver, ça serait bénéfique. Donc, c'est les trois recommandations que M. Chicoine proposait, basées sur plusieurs villes, là, des cas référents au Québec, puis dans les Maritimes. Puis là, maintenant, on est rendu, suite à cette recommandation-là, le conseil avait demandé, puis c'était l'intention aussi là, dans l'offre de service, c'était de consulter la population. Il y a eu un sondage qui a été publié sur la nouvelle plateforme web là, du conseil municipal ou de la municipalité. Puis les gens avaient du 17 janvier au 15 février pour répondre à certaines questions. Il y avait un total de 10 questions. On a eu quand même assez de répondants. Puis les résultats là, vont être présentés au conseil municipal le 21 mars prochain. Vraiment, on a les statistiques, on a les tableaux. Puis les questions ont été posées, si que les gens étaient prêts à y aller chercher un certificat ou un permis. Les réponses étaient 50-50. C'est pas tout le monde qui était en faveur ou tout le monde qui était contre l'idée. La même chose avec une étude d'arboricole, si que les gens étaient pour. Puis la question là, de planter des arbres sur des terrains vacants. Enfin, sur 10 questions, il y avait quand même là, des questions en lien avec les recommandations de l'expert conseil. Donc, les recommandations vont être apportées, ou plutôt les commentaires reçus vont être présentés lors de la réunion du 21 mars, suite à quoi le conseil devra prendre position dans l'élaboration là, d'un arrêté en lien avec la foresterie urbaine sur le domaine privé. Merci, M. Frenette. J'aimerais maintenant peut-être passer le micro aux citoyens, s'il y en a qui veulent s'exprimer sur le sujet. Si vous n'avez peut-être pas eu la chance de le faire sur le site de la municipalité, et ou si vous avez d'autres questions, commentaires sur le sujet de la direction que le conseil a pris sur le dossier, ou toute autre question concernant le développement et la protection des arbres, essayer de trouver l'équilibre possible entre ce qui se passe
depuis des années et ce qu'on doit corriger pour améliorer la situation verte pour notre communauté. Si vous voulez, s'il y a quelqu'un qui veut vous avancer au micro, battez-vous pas, là, pas de chicane. Chacun son tour, là pour tout le monde. Alors, vous voulez vous identifier, premièrement, puis... I'm sorry, I don't speak any French. It's I apologize okay. for that. Kind of in an airplane, jumping out without a parachute here. Comme sauter hors d'un avion sans parachute. Your name, please? Non. Richard Todd Holman. Richard Todd Holman, je demeure à Grosjeville tranquille et j'ai déménagé à Dieppe avec mon ami de fille au mois d'octobre. J'ai été choqué quand les arbres ont commencé à tomber derrière ma propriété. Choqué, troublé. Dans cet acte, on parle d'amical environnemental, on parle d'empreinte de carbone, c'est pas du tout autant. J'étais choqué. Une ville progressive comme celle-ci, quelque chose. J'ai commencé à poser des questions et on m'a dit que c'était une décision prise par le conseil 20 ans passés. Alors, personne ici était ici 20 ans passés. Et j'entends à maintes reprises, on ne peut rien faire, c'est ce qui a été décidé. Quelqu'un a décidé 20 ans passés. Pourquoi pouvons-nous rien faire? Personne dans cette salle nous veut. Personne, je peux vous garantir. Tout le monde a des questions sérieuses si ça se produisait aujourd'hui. Je m'excuse maintenant. Voici quelqu'un qui fait quelque chose. Nous voulons tous faire quelque chose, mais nous ne pouvons pas continuer à dire parce qu'une erreur a été commise. 20 ans passés, qu'on ne peut rien faire. On ne peut pas continuer à dire cela. Ce n'est pas seulement cette question, ce sont tous les enjeux. Alors, j'ai placé une affiche et j'ai reçu... Pouvez-vous parler dans le micro, s'il vous plaît? Je m'excuse, mais pour les dossiers, je suis nerveux un peu. Ça va. Intimidé. Alors, j'ai eu des... Il y avait une fille dans la communauté, peut-être, des Orange, qui a écrit une lettre. Sa langue native est espagnole. Elle a écrit une lettre en français. Elle l'a placée sur un arbre, suppliant les personnes qui coupaient les arbres de ne pas le faire. Quand j'ai vu cette lettre, j'ai dit, « Oh, Todd, mon Dieu, tu dois essayer de faire quelque chose. » Alors, j'ai placé les enseignes et j'ai reçu toutes sortes de questions, d'enquêtes, de questions des citoyens. Je crois qu'on aimerait tous voir ceci être arrêté, apporter un deuxième regard, parler aux aménageurs et voir si on peut changer les choses. Mais à part de cela, on doit regarder sérieusement comment nous pouvons aider quand les arbres sont partis. On doit continuer à la propriété du développeur. Alors, il n'y a rien de reste sauf les maisons. Alors, je pense que ma question du conseil, est-ce quelque chose que vous pouvez faire pour changer l'heure? Journaliste local. Todd. Je ne sais pas si vous aviez l'appareil de traduction pendant la présentation par M. Frenet. Alors, oui, je crois que tout le monde était choqué, troublé à l'événement initial, mais légalement, il y a très peu de choses qu'on pourrait faire. Et on tente maintenant de nous équiper, si je peux employer l'expression, de tenter de changer l'avenir. Le passé est le passé. Il y a certaines choses, comme ça a été mentionné, que nous pouvons faire pour l'avenir. C'est de commencer à planter un plus grand nombre d'arbres.
et encourager les citoyens à planter plus d'arbres également. C'est un peu où nous sommes actuellement. Quand vous parlez de planter plus d'arbres, qu'est-ce que ça ressemble? On ne le sait pas encore. Je sais que cette année, nous avons changé certains budgets, nous avons apporté des augmentations. Un arboriste qui travaille pour nous maintenant, nous sommes en train de recruter un deuxième. Et ce que ça va ressembler, on a déjà ajouté des initiatives pour encourager les personnes à planter des arbres sur la propriété. Alors, quand un nouveau bébé arrive, vous plantez un arbre, par exemple. Ce sont des arbres. Ce ne sont pas des débutants. Ils sont d'une bonne taille pour commencer. C'est une initiative. Il y a plusieurs autres initiatives que nous voulons continuer. Nous avons travaillé avec plusieurs ou un nombre d'organisations fédérales pour planter des arbres dans différents endroits de la communauté au cours des décennies. Mais ceux qui sont coupés prennent plus d'air que ceux qui sont plantés. C'est là où nous en sommes. Combien de personnes sont ici qui sont opposées à cela? Levez la main. Je vais lire une lettre, ça parle de plusieurs des lettres, je ne vais pas mentionner de nom. Est-ce que je peux? Non, ne nommez pas les noms. J'ai trouvé votre avis sur un arbre, merci pour mettre de l'énergie dans cette question. Je suis un membre de la GRC à la retraite. Avec PTSD, une bonne partie de ma thérapie, la santé mentale, c'est la marche quotidienne avec mes deux petits chiens. Ça me rend émotionnel, pardon, excusez-moi. J'ai apprécié et tiré avantage plus que je peux articuler à leur côté. Ils ont été un gain de vie, c'est peu dire. Récemment, j'ai remercié les arbres sur le sentier où je marche, le stress que ça m'a causé était important. La colère était du genre qui est symptomatique de ma PTSD. Mais le multi-nettoyage de ces arbres, mes cœurs, je l'ai presque fâché à l'arboriste qui travaillait à ce moment-là. Mais c'est le dernier personne avec qui consulter plusieurs personnes aime cela. Alors, j'ai de la cité quiconque qui est responsable pour permettre à ces arbres d'être coupés ne comprend rien. Probablement que je prêche aux convertis parce que je suis convaincu que vous le voyez. Ça semble trop tard. Les arbres ont été coupés. Alors, cela est seulement un échantillon de la rage et de la tristesse, ça me fâche parce qu'il y a un homme qui a dévoué. Je ne le connais pas vraiment. Je sais qu'il est un homme à cause de son nom, mais il a dévoué son nom au service de ce pays. Et c'est très troublant. Mon amie de fille pleure quand elle voit cela. Alors, je pourrais lire d'autres. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, mais j'implore le conseil de faire ce que vous pouvez. Vous dites, on ne peut rien faire, mais pouvez-vous vous asseoir avec l'aménageur et dire, écoute, développe le reste de la propriété. Quand c'est terminé, reviens au sentier. J'ai parlé au développeur, il semble raisonnable. Je sais qu'il est là pour faire de l'argent, mais il ne veut pas nuire aux personnes non plus. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se prononcer? Merci. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Gabriela Fischer. J'habite sur la rue Vanier. Je marche sur le sentier à tous les jours, des fois plusieurs fois.
Je sais, je rencontre toujours un monde incroyable, puis oh, tout le monde se connaît, puis je peux dire que tout le monde que je rencontre, on se parle sur le sentier, puis tout le monde est choqué. Moi, moi la première, puis je voudrais remercier d'abord monsieur... I would like to thank you. I would like to thank you for what you're doing tonight. I think that's an important thing. Je vais vous remercier pour ce que vous faites ce soir. C'est très important. Merci beaucoup. It is so... Nobody disputes how important it is to... C'est très important, tout le monde le sait, de conserver notre environnement. C'était tellement une valeur pour notre communauté d'avoir ce sentier et puis d'avoir ce sentier au milieu de la forêt. Entouré d'arbres. C'est là que tout le monde marche parce qu'on est dans la forêt. On ne marche pas sur la rue qui est à côté. Puis d'ailleurs, les trottoirs, après une tempête, qu'est-ce qui est déblayé le premier? C'est le sentier. Parce que c'est là que le monde veut marcher. C'est notre bien-être qui est là dans cette forêt-là. Puis c'est une perte qu'on ne peut pas retrouver. Mais je ne veux pas croire qu'on ne peut rien faire. Ce n'est pas possible qu'on est là et qu'on se dit « on ne peut rien faire ». Ce n'est pas vrai, on peut faire des choses. Il y a des choses qu'on a faites pour la Petite Kodiak. On a rétabli la Petite Kodiak, on a fait des choses. On peut faire des choses pour rétablir notre communauté et notre environnement qui nous appartient à la communauté. Et je ne sais pas, je lance un appel à fonder une alliance pour sauver le sentier, et moi je suis prête à planter des arbres s'il le faut. Je sais, tout le monde sait que plus loin dans le sentier, là, lorsque ça tourne plus loin, je vois des arbres qui évidemment n'ont pas poussé là, qui ont été plantés exprès pour rendre le sentier beau. Ça devrait être possible là, on devrait pouvoir replanter dans ce sentier-là. Si le développeur est prêt, moi je suis prête à le faire, je suis sûre qu'il y en a d'autres qui nous aideront. Et puis, je voudrais lancer un appel aussi à peut-être passer une bylaw qui limite, qui protège les sentiers qui sont comme ça. Il y a d'autres sentiers qui ne sont pas loin, là, qui mènent plus vers l'aréna, qui descendent de l'autre côté de la rue Vanier, où il y a des arbres de tous les côtés et qui protègent, où les propriétés sont plus loin, où on a laissé un couloir forestier entre les maisons et les sentiers. Et ça devrait être possible de passer une loi qui établit des couloirs comme ça, un minimum de 3 mètres de forêt qui devrait être préservé pour des nouveaux développements à côté des sentiers qui existent déjà, qui sont préexistants au développement. Et en tout cas, s'il y a du monde qui veut travailler avec ça, moi, je suis prête à... Merci pour votre intervention. Je pense que comme ça a été mentionné par M. Frenette, on est en bonne voie de se donner les outils nécessaires pour que ce type de développement ne prenne plus place dans notre communauté. Bonsoir. Bonsoir. Merci, M. le maire, conseiller, conseillère. Mon nom, c'est Monique Laplante. J'habite sur la rue Grande-Vallée. D'abord, j'aimerais remercier Todd pour l'initiative d'avoir appelé les gens à venir à la réunion ce soir pour la protection des arbres. Dans un premier temps, je trouve... d'abord, je dois dire que je ne suis pas contre l'agrandissement de la population d'Dieppe, puis je comprends qu'il y a besoin des développeurs, puis je comprends le projet des développeurs. Ayant dit ceci, j'étais aussi outrée de voir la coupe à blanc sur la rue centrale. Mais avec des explications, on peut comprendre que, bon, les développeurs, pour leurs raisons personnelles, ont besoin de couper des arbres pour faire les constructions. Là où je ne comprends pas du tout, c'est la coupe qu'ils sont en train de faire le long du sentier, parce que définitivement, c'est encore de la coupe à blanc, puis il n'y a aucune raison, parce qu'il n'y a pas de construction là où ils sont en train de faire les coupes le long du sentier présentement.
C'est vrai aussi que j'entends qu'il y a des plans, la Ville a des plans, le Conseil a des plans pour que, en fait, les trois recommandations que j'ai entendues ce soir, deux de ces recommandations-là semblent mettre la responsabilité sur les résidents, sur les individus à planter des arbres. Dans le cas que je pense, moi, je me dis que si c'est les développeurs qui vont les couper, les arbres, ils devraient aussi avoir une responsabilité d'en replanter. Alors, si les développeurs vont couper à blanc pour faire leur construction, ils devraient avoir dans leur permis de construction quelque chose qui va dire que si vous allez couper X montant d'arbres, vous allez devoir aussi en planter X montant. L'autre point qui me préoccupe, c'est que les arbres qu'ils ont coupés le long du sentier, ce n'est pas des petits arbres qu'on va replanter aujourd'hui qui vont repousser dans 10, 15, 20 ans. Parce que là où on habite présentement, quand on a bâti la maison, on a planté des arbres qui étaient déjà des arbres matures à ce moment-là. Ça fait 15 ans, puis les arbres ne sont pas encore dans l'état des arbres qu'ils ont coupés le long du sentier. Je comprends aussi que c'est trop tard pour le sentier en arrière de la Tranquille ou de la Vanille présentement parce qu'ils ont déjà coupé les arbres, puis malheureusement... Mais j'espère que les procédures qu'on est en train de mettre en place présentement vont protéger d'autres sentiers, d'autres endroits dans la ville de Dieppe. Mais ce qu'il n'y avait pas dans le rapport de M. Frenette, puis que je serais curieuse de savoir, c'est les délais. Quand vous dites on a embauché quelqu'un, il y avait des recommandations, ça va prendre combien de temps avant qu'on va aboutir, on va avoir la réunion du 21 mars, ils vont nous faire un rapport. Mais... La période de construction là, du printemps est entamée, puis il va encore en avoir plein d'autres, des arbres de couper. Alors moi, j'espère qu'on pourrait mettre, au moins si on ne pouvait pas mettre une injonction ou quelque chose en attendant que le rapport soit en place, puis qu'il y ait un arrêté municipal qui soit mis en place, puis qui dise que dorénavant, si on construit dans la ville de Dieppe, puis on coupe X nombre d'arbres, on doit en planter aussi pour remplacer les arbres qu'on a coupés. Puis on doit planter des arbres matures, pas des petits arbres qui vont prendre 50 ans à pousser. Merci de m'avoir entendu. Merci. Bonsoir, M. le maire, membre du conseil et les membres de l'administration. Paul Béliveau, je suis résident de la rue Isabelle. J'enchaîne avec l'idée centrale de ce qui a été discuté jusqu'à date. Ma conjointe et moi-même, on utilise le sentier régulièrement, moi pour essayer de courir, puis ma femme pour bien marcher. J'ai été mis au courant qu'il y aurait de l'installation des pipes sur le derrière de la propriété où les arbres ont été coupés sur la rue Tranquille. J'aurais voulu faire savoir que si c'est ça le cas, qu'est-ce qu'il y a là maintenant, c'est qu'ils vont placer des pipes. D'habitude, tu ne plantes pas des arbres par-dessus des pipes parce qu'on sait qu'est-ce qu'ils vont finir avec. Alors, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que j'ai entendu est véritable, à savoir, est-ce que tout le pipage que le développeur doit installer sera-t-il fait comme l'habitude aux rues ou le devant, la devanture de la propriété, et non contre le derrière de la propriété, qui voudrait dire à côté du sentier même. Ces renseignements-là sont-ils disponibles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous répondre que oui, que ces plans-là ont été acceptés, qu'ils ont été étudiés, que ça a été proposé, puis où est-ce que ça en serait rendu? Je ne sais pas si on aurait une réponse à ça ce soir ou pas. Madame peut-être, Spencer. Madame Spencer? Surtout que je trouve... C'est beau. Merci, M. le maire. Bonsoir, M. Béliveau. Bonsoir. Je ne suis pas au courant qu'il n'y a aucun tuyau qui sont placés en arrière des terrains. Comme tu le sais, ce n'est pas pratique courante. Donc, les tuyaux sont placés dans les rues. Il arrive parfois qu'on a besoin de servitude pour raccorder des tuyaux à une autre subdivision, par exemple, mais ça ne filerait pas le long du derrière des terrains. OK, correct. Alors, selon moi, ça, c'est positif. Ça voudrait dire qu'il ne peut vraiment avoir aucun autre... Pardon? 100%. Pardon me? 100% for back of the lots. That's not what we've just been said. The engineering department has said no. Oui, juste, peut-être juste pour...
Oui, cependant, souvent, il y a des fossés de drainage qui sont situés à l'arrière des terrains, donc c'est peut-être ça qu'on parle d'eux. OK, comme des French drains qu'on appelle? Ou des canals. Ou des canals pour faire l'échappement de l'eau de surface. OK, c'est une différente chose. Évidemment, tu peux planter des arbres, oui. On va souhaiter que ça peut pousser. Mm-hmm. OK. Le point que j'aimerais aussi vouloir vous demander ce soir, il va y avoir un sentier de lien qui s'attache au sentier et qui se rend à la tranquille présentement. Il y avait plan de vouloir avoir ce petit lien-là qui allait rouvrir dans le projet futur, qui est maintenant le projet actuel. Est-ce qu'il va y avoir de l'espace-là pour que le sentier qui accroche le sentier original, actuel, puis la tranquille, est-ce que ça va se poursuivre pour rentrer dans le développement? Est-ce quelqu'un qui a une réponse? Je sais que M. Bourque, je ne sais pas s'il a la réponse, lui est sur Zoom, alors je ne sais pas si tu auras la réponse, M. Bourque. Bonsoir. Oui. Non, moi je n'ai pas la réponse, mais on peut regarder ça dès demain, puis revenir avec une réponse là-dessus. OK, ben je pense que quand ça a été développé ou ça a été proposé, ce plan-là, c'était évidemment une des choses qui avait été demandée, puis que le développeur avait dit oui, ça sera fait. Okay. Alors, c'est juste pour vous laisser savoir qu'il y avait eu une réponse affirmative dans le temps. Alors, on me disait qu'il n'y a pas de PIB, alors il ne devrait pas avoir aucune crainte de ne pas vouloir en planter d'autres, des arbres, mais c'est un moyen choc. Bonne chose que je cours la moitié du temps avec les yeux fermés, là. Mais quand c'est que je les ai ouverts, je me demandais où est-ce que j'étais. Je pense que je m'avais perdu. Alors, si on veut continuer le travail, comme vous l'avez mentionné, M. Frenette nous a partagé des renseignements ce soir, on serait dans la bonne direction, mais je pense que c'est bien plus important que ça s'actionne plus vite que... plutôt que plus tard. Alors, merci bien. Merci. Merci, M. Bilbao. Good evening, Mr. Mayor, councillors. My name is Chris Finnicker. Bonsoir, Monsieur le Maire, conseiller. Je suis Chris Kilcock. Je demeure sur la rue Eugent. Can we just a second? Can we? Quelqu'un pourrait monter le microphone? Just want to raise the microphone. So I can do that. There you go. Do I need to repeat myself? Or did you hear? Ce que je dois me répéter? Je veux m'assurer, c'est tout. Moi, j'ai été attirée à Dieppe. Je suis venue de l'Afrique du Sud en 2001. J'étais à Corderbrook avant. Je voulais prendre ma retraite. Donc, ma fille demeurait ici. Puis ça m'a attirée, surtout la nature multiculturelle de cette région, le français, l'anglais. J'ai grandi dans une société multiculturelle et je l'apprécie. Et vous devriez valoriser votre environnement aussi. Dieppe est une belle ville, mais ça ne va pas rester comme cela à moins qu'on écoute aux personnes qui se sont exprimées. Il faut avoir des plans qu'on doit respecter pour le futur. On doit avoir du bon sens. On connaît l'environnement vert et on a eu des politiciens qui n'en s'occupent pas. Mais ce mouvement est là. Le futur, on dépend sur cela. Et si on se mobilise, comme on l'a fait ici ce soir, on va changer les choses. Je vous dis seulement ce qui se passe dans cette société moderne, mais j'apprécie les efforts faits par Dieppe dans le passé. J'ai participé à des discussions en ligne sur les sentiers pour les vélos, le transport public et le développement d'immeubles. Donc, mon expérience dans cette ville a toujours été positive, mais il faut qu'elle continue à être attirante. Ça va aider les citoyens, ce programme de plantation d'arbres sur la rue Nugent. Moi, je pense que je suis la seule personne qui a profité de cette initiative. J'ai parlé à certains voisins, mais pour creuser un trou d'un mètre, c'est beaucoup de travail. Et j'ai même
enfin, mon aide, c'est des femmes âgées qui ne pouvaient pas le faire. Mais le trou devrait être creusé par la ville et des employés qui pourraient le faire. J'aime beaucoup vivre à Dieppe. J'aime les sentiers mentionnés par les personnes qui se sont exprimées avant moi. Et si ce ne serait pas cela, j'aurais peut-être été vivre ailleurs. Mais ces sentiers sont disponibles. Et Dieppe est tellement une belle ville. Et on peut marcher partout. Il ne faut pas retirer cela. Merci. Je passe le micro. Bonjour, c'est Guy Doucette. J'habite en bas de la centrale, vers la Melançon. C'est concernant la construction qu'on parle de sur la Melançon pour NB Housing, je pense. OK. Je suis dit trop tôt. Oui, c'est le dossier qui vient après. Je veux juste être sûr que s'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler spécifiquement de la question arbres. Je reviens. Parce que monsieur était pour entreprendre un autre dossier qui vient tout de suite après. Alors, je voudrais juste m'assurer que tout le monde a eu une chance de participer à la discussion. I want to overstay my welcome, but I wouldn't mind more information on that. J'aimerais avoir plus d'informations sur les tuyaux qui doivent être creusés derrière les propriétés. Oui, on peut communiquer avec vous. Oui, je vais laisser mon nom. On a un plan approuvé. Oui, je pense que ça devrait être disponible. On aurait dû mentionner aussi qu'on consulte le promoteur en ce moment. On veut avoir des commentaires, des observations de toutes les parties, c'est important. Et l'arrêté municipal devrait être présenté devant le conseil en avril avec un rapport et ses recommandations. Donc, le conseil pourra considérer un arrêté. C'est au conseil de décider. On va recommander certains éléments, mais on vous donne un échéancier. Je pense que la dame là-bas nous a posé la question. Ça va devenir devant le conseil en avril. OK. On a fini avec les arbres pour le moment. Si oui, non, dernière chance. OK. Alors, prochain item concernant l'audience publique. Monsieur. L'audience publique. Alors, Monsieur Frenette. Monsieur Frenette va reprendre le micro. Donc, rebonsoir. Je vais s'attendre un peu. Donc, ce soir, membres du conseil, monsieur le maire et membres du public, on a une audience publique pour un projet. Projet d'arrêté de zonage pour un usage conditionnel sur le chemin Melançon. Je vais expliquer qu'est-ce qu'un usage conditionnel. Un usage conditionnel en vertu de la loi sur l'urbanisme et l'arrêté de zonage est un usage qui est permis dans la zone, mais que le conseil peut imposer des termes et conditions qu'il juge nécessaires ou pertinents pour le développement. Donc, pour ce qui est du plan de présentation, je vais juste, première slide, je vais parler des dates critiques qu'on a eues présentement, puis les dates à suivre justement pour connaître l'échéancier. Puis aussi parler un peu plus là, de l'usage conditionnel comme tel, en vertu de l'article 59 de la loi sur l'urbanisme.
Donc, donc l'échéancier, incluant les dates critiques, on a eu le 14 février dernier, le Conseil a entamé le processus d'amendement au plan municipal et à l'arrêté de zonage, suite à quoi, ce soir, on fait l'audience publique du projet comme tel. Le 16 mars prochain, on va aller le comité consultatif en matière d'urbanisme va donner son avis 110 pour donner une recommandation au conseil pour s'assurer que le projet comme tel suit l'intention générale du plan municipal et de l'arrêté de zonage. Puis, le 28 mars, le conseil pourra décider d'accepter la recommandation des membres du CCU, soit en ajoutant des conditions ou soit l'accepter telle quelle. Ou encore le refuser, mais en ajoutant des conditions, parce que l'usage comme tel, comme j'ai mentionné, c'est un usage qui est permis dans l'arrêté. On peut y imposer des conditions. Donc, le site comme tel, si vous pouvez voir là, sur la photo, la carte, ce qui est le carré rouge, c'est le terrain comme tel qui a été identifié pour la construction future d'une habitation multifamiliale de 10 unités. On a le terrain en question. Pour ceux qui connaissent bien le secteur, là, c'est le terrain là, qui est en gravier. On a souvent la municipalité, quand ils font la réfection des rues sur la Melançon et même la centrale, on l'a utilisé comme un site là, où est-ce qu'on a entreposé certains équipements lourds. C'est un terrain qui appartient à la municipalité. On a une autre photo ici, une source de Google Street View. Qu'est-ce que le terrain ressemble? Puis, on a ici le plan de site, lorsqu'on le superpose sur une photo aérienne, qu'est-ce que ça représente comme tel, le plan de site. Comme vous pouvez voir, le bâtiment comme tel est du côté ouest, avec justement là, quand même une zone tampon là, du côté est. Je vais revenir là, photo aérienne, on le voit un peu mieux. Vous voyez justement ici la présence des arbres. La zone tampon, comme on a mentionné, c'est justement une zone là, qui est proposée de conserver. Si vous regardez cette hauteur-là sur le plan de site. Donc, photo, rendering, un esquisse de qu'est-ce que le bâtiment ressemblerait, son footprint, son gabarit, mais aussi la localisation du bâtiment. Excusez-moi, j'ai beaucoup de déconcentration. Excusez. Les gens me déconcentrent. Est-ce que vous pouvez continuer vos discussions à l'extérieur parce que ça dérange le présentateur? Alors, si vous voulez continuer à l'extérieur ou parce que vraiment, là, on aimerait de procéder avec notre réunion. Merci. Merci. Donc, encore là, on a des esquisses du bâtiment, à quoi le bâtiment va ressembler. Son gabarit, on parle de 10 unités, 5 unités le long du chemin Melançon, avec 5 unités à l'arrière. C'est un bâtiment de un étage qui est comparable à la typologie en termes de hauteur qu'on a là, dans le secteur sur la Melançon. C'est un terrain qui est juste à côté aussi là, de l'aréna AGL pour localiser les gens. Donc, ça complète ma présentation ce soir pour ce qui est de l'audience publique pour le bâtiment proposé. On a aussi eu des commentaires ce soir étant l'audience publique. C'est aussi le mécanisme légal là, pour que les gens puissent donner leurs commentaires, objections ou approbations pour le projet en question. Donc, Monsieur le greffier a reçu certaines objections. OK, on va procéder avec la lecture des objections qui ont été reçues. Puis, je sais qu'il y avait quelques personnes aussi dans la foule qui voulaient adresser la question. Alors, en premier lieu, Monsieur Melançon. Merci, Monsieur le maire. Alors, on a reçu quatre correspondances sur l'audience publique.
Alors, comme première correspondance, my name is Lise Landry and I live on, at 6. Je m'appelle Lise Landry, je demeure sur le chemin Montmorency. J'ai reçu cette lettre la semaine passée et je suis préoccupée. Comme nos voisins, nous avons eu ce site, on a vu ce site utilisé par les développeurs, il y a eu beaucoup d'interférences et beaucoup de bruit. Et les employés ont dit l'année passée que c'était la fin. Et maintenant, on voit qu'il y a un autre réseautage et nouveaux développeurs. Il s'agit d'un projet de logement NB. Nous sommes là depuis 1993. Nous avons travaillé très fort pour joliver notre propriété. Nous en sommes très fiers. Et ce projet nous stresse. Non seulement la valeur de nos propriétés sera à la baisse, mais nous avons des inquiétudes sur le type de locataire. Il y aura des activités criminel et ça a été tranquille jusqu'à maintenant. Il ne faut pas juger les personnes qui gagnent moins d'argent, mais j'espère que vous allez considérer nos préoccupations et on voudrait savoir quel genre de locataires vont vivre ici. Veuillez communiquer avec moi ou nous envoyer des photos supplémentaires pour moi et nos voisins. Merci. My name is Lisa Martin. Je m'appelle Lisa Martin et je travaille au pénitencier de Dorchester comme agent correctionnel. La rue Melançon, c'est un endroit où je veux prendre ma retraite. Il y a des sentiers pour vélo et des sentiers pédestres et je me sens en sécurité. Je suis contre ce projet sur le chemin Melançon. Et je comprends que cette demande de logement public va être utilisée pour avoir un effet positif pour l'emploi communautaire et augmenter les occasions commerciales. Il s'agit d'un effet positif. Cependant, l'augmentation de dépenses de ressources n'est pas problématique, mais c'est les genres de personnes qui vont venir vivre dans une unité de logement public. Il y a perte de valeur de propriété aussi. On peut profiter d'un nouvel immeuble et d'une augmentation d'emploi, mais il y aurait des impacts sur la qualité de la vie des voisins. Il y a des rapports qui ont des données qui visent démontrer qu'il y a plus de criminalité et de la violence avec ces propriétés publiques. Je travaille au centre correctionnel et je vais retourner chez moi où je me sens en sécurité. Maintenant, ça ne m'apporte aucune sécurité. Merci pour votre attention. Je suis opposée à cette construction sur le chemin Melançon. C'est le seul terrain sur notre rue qui est vide. Il y aura encore beaucoup plus de trafic qui va rouler très, très vite sur le chemin Melançon et central. Si on perd ce terrain, et donc, on va utiliser la rue centrale pour se brancher à ce terrain. Ce sera plus dangereux. Marie-Céline Kenny. S'il vous plaît, sauvez nos arbres. La ville de Dieppe a besoin d'un plan pour sauver les arbres de nos voisinages. On a un beau système de sentiers qu'il faudra continuer à développer. Pour faire ça, il faut sauver nos arbres. Quand il y a des plans de nouvelles constructions,
Un buffer de 30 mètres entre la ligne de nos propriétés et les nouveaux développements n'est pas assez. S'il vous plaît, ne ruinez pas nos voisinages en coupant les arbres, les coutures. Voilà, Monsieur le maire. Okay, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions de la part des gens du... oui, s'il vous plaît, voilà l'opportunité. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Guy Doucette. J'habite justement pas loin de cette construction-là. J'étais un peu choqué au début parce que, d'après le diagramme qu'on avait reçu par la poste, c'était le carré rouge était justement sur la ligne. C'est vrai que moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir NB Housing derrière chez nous. Mais encore là, quoi que ce soit qu'on fasse, il ne faudrait pas qu'il y ait aucune coupe d'arbres. Parce que finalement, c'est ça le seul buffer, si tu veux, entre ce terrain-là et nos terrains. Mais c'est sûr que NB Housing ne serait pas mon premier choix d'avoir quelque chose là. Si ce serait juste même pour planter des arbres, ce serait beaucoup mieux. Puis peut-être qu'on pourrait bouger ce NB Housing-là, peut-être autour de l'Acadie puis la Gauvin, par là, où il y a déjà des terrains libres, où il y a déjà ce genre de construction-là, peut-être, des MDU, là, des multi-dwelling units, des appartements, des choses comme ça. Vu que la rue Melançon, c'est surtout des maisons ou des duplex au pire, tu sais, c'est pas des gros blocs appartements. Surtout, l'autre chose qui m'inquiète, c'est surtout le bruit. Moi, sur la rue centrale, je ne sais pas si c'est parce que les policiers ne savent pas comment faire leurs travaux ou si c'est parce que les lois de la ville de Dieppe ne sont pas là pour pour nous autres. Mais on dirait que, surtout l'été, mais même tout l'hiver, les chars passent en avant de la maison. On dirait qu'aussitôt qu'ils sont devant la maison, là, c'est comme... Il gear down, si tu veux, là, puis tu entends juste du bruit, des silences. Il n'y a pas de silencieux, finalement. C'est juste un vacarme, c'est juste du bruit. C'est comme si qu'ils veulent faire le plus de bruit possible. Puis avec du NB Housing, j'ai aucune idée c'est quoi les véhicules que ces gens-là vont avoir, mais c'est encore, on dirait que ça va juste empirer la chose. Puis ça, c'est l'autre chose. Je pense que M. Bidou l'avait mentionné, qu'il y a du bruit. Je ne sais pas s'il faisait référence aux véhicules qui passent, puis les motos qui passent dans notre région, mais si on pourrait diminuer le bruit, ça serait encore apprécié en plus de ça. En tout cas, moi, je m'oppose au plan. Je m'oppose à toute coupe de bois qu'il y aurait autour de là. Puis, dernière chose, c'est que moi, sur la rue centrale, j'ai planté un arbre devant chez nous. Puis, à peu près 2 ans plus tard, la ville de Dieppe, ils ont construit le trottoir, puis ils ont mis les lignes d'hydro juste par-dessus mon arbre. Alors là, mon arbre est juste rendu dans les fils. En tout cas, c'est juste pour savoir que je m'oppose au plan. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être quelques points qui doivent être clarifiés un peu concernant le type de bâtiment que c'est, puis... c'est pour remplacer quelque chose qui est déjà existant ailleurs. Alors, peut-être que... puis quand on parle des gens qui sont là, ce que j'ai entendu à date, c'est vraiment un manque d'information. Alors, peut-être un peu de clarification, soit... Ouais, je peux le faire, okay, puis c'est de l'information qui a été manquée, là, parce que j'étais un peu... dérangé, mais ce que je veux dire, c'est vraiment le bâtiment, le 10 unités, c'est la relocalisation du bâtiment au 283 sur la Gauvin ici. C'est un foyer qui abrite des personnes âgées, premièrement. Comme vous savez, notre centre-ville est en train de se revitaliser. On a de la pression de développement, ainsi de suite. Puis, le 10 unités était dû à être relocalisé. De un, le bâtiment prenait de l'âge. Mais de deux, c'est avec le partenariat qu'on a avec Habitation Nouveau-Brunswick. Les gens qui habitent au 283 boulevard, excusez-moi, chemin Gauvin, c'est pour la plupart là, des gens à faible revenu, mais c'est des personnes avec un revenu fixe qui est subventionné par la province, puis c'est des personnes du troisième âge, des personnes âgées. Donc, je ne sais pas si ça peut clarifier un peu. Pour ce qui est du bâtiment comme tel,
On a un bâtiment, on a différents types de bâtiments sur le chemin Gauvin, le chemin Melançon, comme vous savez, c'est une artère principale, c'est pas une rue locale. Puis on a un bâtiment de 12 unités qui est en train de se construire juste un peu plus bas où ce qui est la garderie. On a aussi une aréna à proximité aussi où ce qui a beaucoup de va-et-vient. Tandis que là, on parle de 10 unités tout simplement. Puis comme vous pouvez voir, le stationnement à l'arrière, là, je pense que le ratio est vraiment un véhicule pour un. Puis nous, l'intention n'est vraiment pas de connecter sur la centrale, mais plutôt que les gens utilisent la centrale. Ça fait, je ne sais pas si ça peut éclaircir un peu là, l'information manquante là, que je n'ai pas informé les gens là, à ce qu'était le bâtiment. Puis le type de gens qui restent dans le bâtiment. Mais il faut comprendre, nous, comme urbanistes, on réglemente les usages, on ne réglemente pas les gens qui restent à l'intérieur des bâtiments. Ce n'est pas notre rôle. Puis aussi, comme vous savez, la ville de Dieppe est quand même une ville inclusive. Ça fait il y a des besoins. Puis ici, c'est vraiment une relocalisation d'un bâtiment déjà existant sur le territoire et non pas une nouvelle clientèle. Monsieur le maire. Merci. Puis aussi, j'ajouterais qu'on va s'assurer que les arbres sont conservés. Puis il y a un cours d'eau juste à proximité des arbres. Alors, on a un minimum que l'on ne peut pas toucher, c'est une distance de 15 mètres chaque côté. Là. C'est ça. Alors, on a encore une sécurité additionnelle pour s'assurer que les arbres sont maintenus là, pour respecter les gens qui sont à l'arrière de leur cour sur la centrale. Oui, je pense que c'est important de noter que justement les gens qui vont être relocalisés, c'est des gens de certain âge. Dans certains cas, je pense qu'il y en a peut-être deux. Quand je regarde ce qu'il y a sur la Gauvin, tout de suite, il y a peut-être deux autos sur le nombre de personnes qui sont là. Alors, c'est des gens, dans certains cas, c'est des gens qui sont qui ont un handicap physique ou pas mental normalement, mais plutôt physique, qui sont d'un âge avancé. Moi, je connais des gens qui ont resté là pendant une douzaine d'années sur la rue Gauvin, mais encore une fois, comme c'était mentionné, ce bâtiment-là commence à être délabré. On a attendu quand même pas mal longtemps pour le déménager de là, pour favoriser le centre-ville. Moi, je crois que on verra la construction, mais on veut juste être certain que tout le monde comprend que c'est pas... On a eu des problèmes avec des cas qu'on a déménagés. De maisons, des vieux bungalows qu'il y avait sur la rue Gauvin qu'on a déménagé dans d'autres. Puis encore là, je vais finir une pensée avant de sauter à l'autre. On a eu des problèmes avec en déménageant des personnes dans d'autres quartiers, mais en très peu. Je pense qu'on a eu un parmi les... Parmi les 18. 18 maisons qu'on a déménagées au cours des années dans les derniers... 20 ans, essentiellement, il y a un groupe de personnes avec qui on a eu un problème, puis la GRC s'est occupée du problème. Et toutes les autres... Habitation Nouveau-Brunswick aussi, Stepton. Pour nous, c'est important de ne pas créer un ghetto. Dans le monde d'aujourd'hui, les choses ont bien changé. 30-40 ans passés, il y a une espèce de ghetto qui était placé là, derrière des vieilles maisons qu'il y avait sur la Champlain. Il n'y avait pas beaucoup d'activités. Puis ce ghetto-là, évidemment, ça un envenime l'autre. Là, one feeds the other, ni plus ni moins. Puis c'est une des choses que je sais qu'en travaillant avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick, en relocalisant les gens dans différentes portion de la municipalité, ça a beaucoup changé le futur de ces gens-là, le futur de leurs enfants. Ça, c'est un édifice, encore une fois, de la province, mais avec une vocation différente, plutôt pour des personnes âgées qui ne peuvent plus travailler, qui ont un salaire fixe. De mémoire, je ne me souviens pas qu'on ait jamais eu de problème avec ces gens-là. Moi, je connais quelques personnes qui ont resté là, comme j'ai dit, de 15 ans ou plus, pour essentiellement mourir, là, dans certains cas. Alors, juste pour une clarification. Autre question sur
ou commentaires sur ce dossier? S'il vous plaît, oui. Bonsoir, mon nom c'est Émilien Roussel. Je reste sur la rue Melançon. Ce soir, vous parlez de ça. Si je n'aurais pas été visiter mon voisin qui est deux maisons de chez nous, je n'aurais pas su pour ça. J'arrive là une soirée, puis il m'a dit, as-tu eu un papier par la mer pour le bloc qui est en bâti? Je lui ai dit, non, je n'ai pas reçu ça. Puis j'ai juste deux maisons de lui. Puis je n'ai pas eu à rien de la mer qui me concernait à propos de ça. OK. Qu'est-ce qu'il a, c'est 100 mètres ou... Je sais qu'on a un règlement, là, qu'on avertit les gens, je pense que c'est 100 mètres, dans un rayon de 100 mètres autour. OK. Tu pourras le calculer. Moi, la plus bonne ça a peut-être temps, été manqué aussi, ça a peut-être été pris dans le vent. Il y a souvent des affaires qui se passent d'audience. Ouais. Je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a une manière de le savoir ou bien... Quoi, il parle des affaires, moi, je dis, j'ai pas besoin de parler d'arrière. C'est votre adresse qu'on vérifie. Oui, on va vérifier votre, pour votre adresse. 577 Melançon. 577 Melançon. Moi, chez Héros, je reçois de ma malle des renseignements à propos de Dieck, qu'est-ce qui va. La plupart du temps, j'entends parler de quelque chose, puis les autres, c'est passé, je ne sais pas. Ben dans le cas spécifique de rezonage ou de on doit contacter les gens dans un, selon notre pratique municipale. Je ne pense pas que c'est la loi, hein? C'est une loi aussi, OK? C'est une loi d'urbanisme, OK? Dans un rayon de 100 mètres de la construction, on doit aviser les gens. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare une lettre pour informer les gens, puis c'est mis dans le... C'est livré directement. C'est livré directement par nos employés ou un agent de nos employés. On va vérifier. Monsieur Frenet va expliquer comment on fait la procédure. Merci, j'ai juste ça. Tu veux, il peut expliquer. Oui, peut-être expliquer la... Welcome back. Thank you. Again, I have a vested interest. I've encore une fois, j'ai introduit de me présenter. Je vous remercie pour l'occasion. Je vais demander à M. Frenet deux questions. Après sa présentation, les arbres qui sont indiqués, je reste à côté de l'ancienne section, si vous voulez, qui est juste à côté de la rue Nugent. Est-ce qu'il y a l'intention de couper ces arbres-là? Si vous regardez votre diagramme, que je n'ai pas devant moi, mais c'est une certaine distance du rectangle qui est indiqué. Est-ce qu'il y a une intention de prendre l'un ou l'autre des arbres dans cette région? J'ai dit, je vais retourner. Tu peux poser ta deuxième question. Ta deuxième question, c'est... Bien que j'apprécie d'avoir reçu une lettre par la poste, je n'ai pas eu le temps de préparer une objection, car je ne savais pas à quoi je m'objectais maintenant. Je sais que c'est unifamilial, une disunité. Je peux comprendre le raisonnement. Mais je n'ai pas été capable de soumettre une objection écrite à quelque chose dont j'ignorais ce que ça comprenait. Est-il possible que pour un projet de cette nature, lorsqu'un projet du genre est planifié ou qu'on cherche un appui, pourrions-nous pas avoir un paquet d'informations qui serait livré pour dire voici ce que l'on prévoit, ce qui est planifié? Et également, quels sont nos droits légaux comme citoyens? Je n'ai jamais eu de raison de m'objecter à une construction de la région. Ils étaient développés avant que j'arrive. Mais c'est une occasion pour moi, une occasion vierge. Je ne voudrais pas gaspiller, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Je ne vous blâme pas, je ne vous blâme pas du tout. M. Frenet peut probablement l'expliquer mieux que moi, mais il suffit de dire que il y a un processus qu'il va décrire et ça implique également des citoyens qui sont nommés. Le comité consultatif sur l'urbanisme, c'est un processus. Si vous parlez aux aménageurs, ils diront ça prend trop longtemps, mais un processus de 4 mois et demi du moment qu'elle présente un projet à notre groupe d'urbanistes qui comprend 10 employés à ce moment-ci.
Je vais le laisser expliquer. Quant à l'avis que nous envoyons de la poste, et vous avez dit, monsieur, que vous ne l'avez pas reçu, je ne sais pas si vous l'avez avec vous ce soir, mais sur l'avis, il est censé avoir un numéro où vous pouvez téléphoner. Vous pouvez téléphoner mon collègue Alexandre Gérard et puis expliquer exactement quel est le projet proposé. Vous pouvez venir au bureau et consulter le règlement qui est proposé. Alors, c'est envoyé au voisin dans un rayon de 100 mètres. Demandez pour... Des gens qu'on a envoyé l'information. On peut vérifier aussi avec la poste que ça a bel et bien été posté. Puis s'il y a une erreur, regarde, on s'en excuse. Puis pour revenir aussi, to come back to on the second. Revenir sur la deuxième question que vous avez. Alors, fondamentalement, nous avons reçu 4 lettres de personnes qui ont reçu la lettre. Et sur l'avis. C'est expliqué où vous devez envoyer la formation si vous voulez parler au conseil. La formation est là, je peux vérifier sur mon ordinateur et vous montrer l'avis qui est envoyé. Encore une fois, comme j'ai dit, nous tentons d'être aussi transparent que possible. C'est pourquoi nous disons dans l'avis qui vous devez contacter de la ville, son nom et numéro de téléphone. Et comme j'ai dit, nous revenons toujours aux voisins qui aimeraient parler. Je crois que nous avons M. Doucet qui a téléphoné Alexandre après avoir reçu la lettre. Ça, c'est pour la première question en ce qui a trait aux arbres. Alors, le tampon, la région tampon, zone tampon devrait être basée sur le morceau de terrain ici, là, comme vous voyez. Je vais vous montrer. Ici, vous voyez les arbres. La ligne, ça devrait passer ici. Je ne la vois pas. Sur Nugent, vous êtes probablement ici. Ici. Il est ici. Comme vous pouvez voir, c'est quelque chose que... C'est plus que 30 mètres. C'est ce que nous proposons de faciliter. Micro. Le projet que nous avons maintenant, c'est fondamentalement. Alors, fondamentalement, comme vous voyez la ligne ici, c'est le plan que nous avons pour construire et le reste. Oui, est-ce que vous pouvez vous avancer au micro pour la question de traduction, parce que quand même, on est we're live and in color, so we want to make sure everybody understands what's... Nous sommes directs, nous voulons faire certain que tout le monde comprenne. Oui, monsieur. Puis, si on cherche de quoi améliorer le voisinage, Saint-Anselme, le petit bois qu'il y a là, ça fait partie de Saint-Anselme. Oui. Et j'aimerais le voir sauvé. Puis, si on mettrait un sentier, là, il y a l'entrée de centrale jusqu'au sentier principal, juste en arrière de l'aréna, ça réglera toutes les affaires. On aurait un beau sentier. Puis, avant, quand on a déménagé là, 30 ans passés, il y avait déjà un sentier là. C'était un trailer skidoo. Mais à cette heure, ça sera
Ce serait beau de voir un sentier là. Oui? Oui, oui. C'est la question de savoir c'est qui a apporté le terrain. Oui, c'est ça. Ouais. Premièrement, si je comprends bien, ça serait un sentier dans, à cette hauteur-là. Ici, ben, ça nécessitera la coupe d'arbre, ça c'est sûr. Oui. Par contre, ce soir, le cas comme tel qu'on discute, c'est vraiment cet emplacement ici. Puis, je dirais, je ne veux pas m'avancer non plus parce que c'est un autre service de la municipalité qui s'occupe des parcs et sentiers. Par contre, la municipalité a un plan maître des parcs et sentiers, puis ils vont vraiment développer un master plan. Les sentiers sont déjà prévus où ce qui devrait passer, mais c'est de quoi qui peut quand même être étudié, voir c'est quoi le bénéfice à savoir. Mais pour la fin du rezonnage qu'on a ici ce soir, c'est vraiment la question du plan de site. Là, on n'aborde pas la question d'un sentier là, au nord de la propriété. Mais étant démocratique, on vous donne l'opportunité de commenter. Il y a des choses qui il y a toujours des bonnes choses qui en ressortent quand on discute. Oui, oui. Ça ne coûte pas plus cher. Merci, c'est Guy Doucette encore. Je suis un peu confus d'après ce que M. Frenet dit, c'est que, puis c'est pas sa faute, c'est probablement ma faute, mais c'est que d'une part, il dit que le carré en rouge, c'est ce qu'ils ont besoin, mais de l'autre part, il dit qu'on va conserver les arbres de ce carré-là. C'est dit qu'ils vont, c'est quoi, c'est ça, ils vont-y conserver les arbres? Parce que j'aimerais couper aucun arbre. De vous promettre qu'on va couper aucun arbre, je suis pas en mesure de vous le promettre. Par contre, si vous gardez, j'aimerais que vous gardiez encore là, je vais mettre en rouge, espérons que ce soit cette section ici. Oui. OK? Elle est superposée. Oui. Je vais l'enlever, je vais vous montrer ce que ça représente, photo aérienne. Oups. Photo aérienne. L'autre est meilleur. Oui. C'est ça. OK, photo aérienne, c'est ce que ça représente. OK? De vous promettre qu'il n'y aura aucun arbre, je ne m'avancerai pas là-dedans. Ça se peut qu'il y a des arbres qui sont nécessaires à couper. J'aime mieux vous dire la vérité que vous promettre qu'il n'y aura pas d'arbre qui est coupé. Par contre, qu'est-ce qui est proposé, c'est de garder le maximum possible. C'est bon? Conseillère Leboutillier. Oui, merci, M. le maire. Deux points. Le premier, c'était normalement, lorsqu'on a des lettres qu'on reçoit, on prend contact avec les gens. Et puis, j'aimerais savoir, est-ce qu'on a contacté, puis c'est quoi qui a été les résultats un coup qu'on leur a expliqué, quel était le projet? Je peux vous expliquer, c'est pas une procédure qu'on fait quand on reçoit des commentaires des gens, parce que les gens, c'est pour être lu ce soir. On a une dame qui a demandé qu'on communique avec elle. On va pouvoir lui donner la copie de la présentation, parce que l'information est rendue publique ce soir. Règle générale, c'est les gens qui nous appellent, parce que comme je vous dis, sur la vie, on encourage les gens, s'ils ont des questions supplémentaires, de nous appeler. Fait, oui, il y a des gens qui nous ont appelés. Comme je vous ai dit, M. Doucette a parlé avec mon collègue, M. Girard. On a eu d'autres appels aussi qui ont soumis justement. Puis ça a été dit lors de cet appel-là que c'est important qu'ils envoient les commentaires au bureau du greffier là, pour que le greffier puisse lire ces objections. Donc, c'est surtout des appels qu'on a. Puis ce soir, on a une demande qui demande qu'on la rappelle pour avoir de l'information un peu. Mais l'information est rendue publique aussi sur le site web. Ça fait qu'on sera en mesure de communiquer avec Madame, je pense que c'était Madame Landry ou Madame Martin. On sera en mesure de communiquer avec elle là, dans les probablement demain ou jour subséquent. OK. Mon deuxième point, c'était la question de transparence, comme qu'on l'a mentionné, c'est que de qu'est-ce que j'ai pu comprendre, qu'est-ce qu'on envoie à nos résidents? C'est une brève description. Oui. Et c'est une carte juste, puis on dit que c'est le rezonnage. On n'a pas, qu'est-ce que le projet, au moins une photo du projet, qu'est-ce que ça va avoir de l'air? Non. Par contre, c'est de quoi que si on veut avoir les ressources, attitrer les ressources nécessaires, c'est de quoi qui pourrait être mis sur le site web.
Moi, je mets dans des voyages que j'ai été à Vancouver, c'est encore plus intéressant que ça. Ils mettent vraiment une pancarte sur le terrain, puis tu as vraiment un rendering de qu'est-ce que le bâtiment va ressembler, le nombre de stationnements, le nombre d'unités, etc., etc. Mais c'est des ressources qu'on n'a malheureusement pas ici. Par contre, nous, on est disposés là, à présenter le maximum d'informations. Puis il faut comprendre aussi qu'il y a certaines informations qui demeurent confidentielles dans le processus jusqu'à l'audience publique. Mais par contre, les gens peuvent venir consulter le projet d'arrêté, ça, puis on leur explique. On a toujours été transparent à ce niveau-là. Ouais. OK. Je me demandais juste s'il y avait une façon qu'on pouvait améliorer cette lettre-là aux résidents pour qu'ils, un peu comme qu'ils ont décrit, puis dans tout, c'est l'analyse que vous allez faire. Oui, parce qu'on veut... Merci. Si je peux juste me permettre, c'est plus d'informations qu'on va donner. Des fois, ça peut aider, mais plus d'informations, ça amène plus de... Confusion. De confusion aussi, puis ça, on essaie de couper le moins d'arbres possible pour les papiers aussi, là, d'utiliser moins de papiers possible aussi. C'est pour ça qu'on a rien qu'une... Une lettre recto verso, règle générale, parce que ça pourrait devenir volumineux là, comme paquet envoyé. OK, mais il faut quand même comprendre qu'il y a des gros impacts pour nos résidents. Oui, oui, non, je pense que moi, je vois, vous avez répondu. Moi, j'y vois une opportunité d'amélioration continue, un beau projet d'amélioration continue pour l'équipe de planification avec... Nous, on serait même disposé là, parce qu'il y a des municipalités, comme je vous dis, qui mettent carrément le rapport du ouais. staff aussi sur le site web. Tout peut être mis sur le site web. Ouais. On a cette information-là. Ça fait, on n'a pas de problème avec ça, si les ressources suivent, bien entendu. Des fois, ça ne prend pas toujours des ressources. Je vais corriger celle-là, là, parce que... Oui, si vous voulez. Pour un gars d'amélioration continue, là, des fois, c'est des meilleures pratiques ou des meilleurs scénarios qui facilitent le travail. Mais quand nécessaire, il faut agir. C'est ça. Merci, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, j'avais les mêmes questions que Mme Leboutillier. Mais s'il y a juste une réponse que j'ai trouvée, lorsque vous dites qu'on a reçu des lettres, puis il y en a une qui a demandé qu'on communique avec elle, il me semble que les autres qui ont envoyé des lettres, on devrait communiquer aussi avec ces personnes-là, parce qu'il y a des objections que j'ai entendues qui, je pense que si les gens savaient qu'est-ce qu'est le projet, puis avoir une meilleure description du projet, qui ne s'opposeraient pas nécessairement. Alors, moi, je suggérerais qu'on parle à toutes les personnes qui prennent la peine de nous envoyer des objections ou une lettre. Je pense qu'on devrait leur parler aussi. Je peux peut-être ajouter là-dessus. On a des gens qui nous ont appelés, puis on les a expliqués, puis on les a dit, malgré l'information qu'ils ont donnée, ils voulaient quand même partager l'information. Ils étaient contre le projet, malgré l'information qu'on a donnée. Donc, c'est pour ça qu'on les a invités à écrire, parce que nous, c'est pas nous qui prenons la décision finale, c'est vraiment le conseil municipal. Donc, c'est important que c'est vous qui recevez cette information-là. L'information a été donnée. On a même reçu un commentaire aujourd'hui qui dépassait le délai, mais on l'a quand même accepté pour la question là, des arbres. Mais on l'a reçu cet après-midi. On peut pas... Puis le processus légal, il y a une raison pourquoi il y a un processus légal établi par la province aussi. C'est pour justement pas déroger du processus parce que ça pourrait aller tout bord, tout côté aussi. Je peux vous dire, bien des projets, puis c'est la même chose avec des dérogations. On envoie des lettres aux voisins. On envoie plusieurs, puis des fois, on a trois ou quatre personnes que ça les interpelle. Des fois plus, des fois moins. Mais ce n'est pas tous les gens qui vont nécessairement nous appeler au fait qu'ils reçoivent une lettre par la main. D'accord, merci. Merci. Je ne vois pas d'autres intervenants, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la foule. Sinon, on va clore la discussion pour le moment et on va continuer avec le reste de notre réunion. Merci, M. Frenette, pour... Prochain aussi. Oh, la prochaine, oui, c'est vrai, il y a une deuxième audience publique au 7.3, modification du plan d'aménagement municipal, arrêté du zonage sur le NID 704-37942, une portion de la rue Gillespie de Mme Jeannette Gillespie.
Donc, pour cette présentation-là, on a déjà eu une présentation publique. Maintenant, c'est l'audience publique. Plan de la présentation, on va encore y aller avec l'échéancier incluant les dates critiques, les amendements proposés au projet d'arrêté comme tel, le Z9 et Z10. Donc, le 24 janvier 2022, on a entamé le processus d'amendement. Ça a été présenté au Conseil avec une résolution au Conseil. Le 14 février, il y a eu la présentation publique pour amender la carte d'affectation du plan municipal. Ce soir, c'est une audience publique pour modifier la carte de zonage, de l'arrêté de zonage. Puis, suite à ça, le SAS, on va faire une recommandation le personnel aux membres du comité consultatif en matière d'urbanisme pour que le Conseil puisse poursuivre avec le processus de rezonage le 28 mars 2022. Donc, localisation du projet, on est à la hauteur là, de la pointe au Renard. C'est un terrain limitrophe là, qui donne sur la rue Gillespie. La demande est de faire un projet de lotissement pour créer un deuxième lot. Il y a présentement un lot avec une construction résidentielle. La demandante ou la demanderesse demande de lotir une portion de son terrain pour créer un autre terrain à des fins résidentielles. Comme vous pouvez voir, c'est hachuré en rouge. Donc, les changements proposés, c'est de modifier l'affectation du sol d'intérêt écologique et conservation à résidentiel. Ça, c'est pour la carte d'affectation du sol du plan municipal. Puis, pour ce qui est de la carte de zonage, c'est de modifier une zone de conservation environnementale, une zone résidentielle d'habitation unifamiliale. Comme ça avait été expliqué par mon collègue Alexandre Girard, à la présentation publique, c'est un terrain qui avait un zonage conservation. Par contre, c'est un terrain que ça faisait énormément d'années là, qu'il y avait le zonage conservation, mais c'était sur un terrain privé. Il n'y a aucune historique qui démontre que le site avait des entités de conservation. On a aussi gardé, est-ce que c'était un terrain qu'il y avait des marais, ou si suite au zonage anciennement, on a aussi produit des cartes au niveau de l'élévation, pas de l'élévation, mais des chances d'inondation. Puis on a une carte là, justement là, qui démontre que le terrain comme tel est à l'extérieur des caractéristiques environnementales. Ici, on a vraiment le marais qui est délimité là, par la ligne. Mais la ligne violette est à peu près en ligne ici. Le terrain en question est vraiment à l'extérieur de la zone tampon du marais. Puis ici, on a vraiment on a une carte là, qui représente les risques d'inondation d'une tempête de 100 ans. Comme vous pouvez voir encore là, la totalité du terrain est à l'extérieur de la zone là, potentiellement inondable. Donc, suite à ça, puis vous avez reçu le rapport là, de mon collègue, c'est sûr que nous, on recommande au conseil de poursuivre avec le processus pour lotir le terrain pour la fin de construction d'une habitation unifamiliale et modifier le zonage là, de conservation à résidentiel unifamilial. Enfin, c'est tout, Monsieur le maire. Merci. Et je présume qu'on n'a pas reçu aucune lettre ni rien. Alors, ceci étant dit, s'il n'y a pas d'autres questions de la part des membres du conseil, Monsieur Godette. Oui, merci, Monsieur le maire. J'ai seulement une question pour le sentier. Comment proche que le sentier va être de ce terrain-là? Je peux vérifier, mais le sentier, il sera plus Il est plus loin que qu'est-ce qu'on a les habitations déjà présentes là, dans le secteur. Là. Mais ça dépend, je pense, il y a des connectivités qui se font un peu partout là, du sentier. On a une section du sentier. Qui est ici. OK. Puis à un moment donné, je pense le sentier descend ici pour continuer. C'est juste qu'on parlait beaucoup aujourd'hui là, des arbres. Là, ben, on va être coupé des arbres parce que le sentier passe là.
Il va être proche. Je peux... Je ne peux pas effacer cette ligne rouge-là parce que c'est la ligne de démarcation de la propriété. Mais si vous gardez... il y a quand même là, le sentier. Je peux vous revenir avec l'information, si c'est votre préoccupation. Puis si vous voulez imposer une condition à la dame, vous pouvez, c'est dans vos prérogatives, vous pouvez. Là. Ben, on n'a-tu pas une loi des sentiers? Je ne sais pas que c'est trois mètres ou... C'est certain que le sentier est sur le terrain de la municipalité, alors ce projet ici ne peut pas être touché par notre réseau de sentiers. Alors, est-ce que c'est à l'extérieur des limites et est-ce qu'il y a des arbres? Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'information dessus. OK. Merci. Autre question, Mme Leboutier. Monsieur le maire, c'est un restant de... OK, merci. Je ne vois pas d'autres questions. Peut-être juste une question au conseiller Godette. Je veux juste comprendre vraiment votre intention pour que je vous revienne à vous, c'est de savoir, un, s'il va y avoir des arbres de couper sur la propriété privée. Le micro, monsieur le maire. Ce qui est le terrain. En question? OK. Oui. Puis, au niveau de la coupe d'arbres, j'ai besoin de savoir, parce que si c'est des conditions que vous voulez imposer à la propriété privée, ça serait bon de savoir qu'est-ce que vos intentions, parce que je veux juste m'assurer que j'apporte la bonne information aussi, puis qu'on doit partager cette information-là avec la demanderesse aussi. Ben, moi, c'est une bonne idée qu'on ait... est-ce qu'il y a des arbres-là qu'on garde un peu d'arbres pour... OK. Je vais sortir l'information, je vais vous la présenter, mais ça serait bon, si c'est de l'information que vous voulez vraiment imposer sur un terrain privé, pas le terrain de la municipalité, on doit le savoir pour informer la demanderesse parce qu'elle n'est pas ici ce soir. Allez ici, oui. Ah, excusez-moi, Madame Galoussi. C'est vrai que c'était pas toi, André, qui décide dans les choses. Je voulais tellement être transparent que... Ça fait, vous avez compris? Yeah, you understand? So basically, what we're going to do is donc, just... Donc, ce qu'on va faire, on va préparer une autre photo aérienne des tampons, propriété de la municipalité. Donc, on verra ce que vous avez sur votre propriété, voir si le conseil veut acheter un autre tampon sur votre propriété. Inaudible, question inaudible, faute de micro. Selon l'arrêté municipal, à l'avenir. Inaudible, faute de micro. Le rezonage peut imposer des conditions. Inaudible. What I'll do, if you can, tomorrow or... Demain, ou cette semaine, pourriez-vous appeler Alexandre Girard? Vous pourrez traiter avec lui. Je vais lui parler demain pour lui expliquer la situation. Lorsqu'on aura l'information... Je ne vois pas de problème. Lorsqu'il s'agit de raisonnage, le conseil a le droit d'imposer des conditions. Thank you, Monsieur Nard. It's not, I don't want to tell you where you can't cut or cut trees. That's not je ne veux pas lui dire où couper les arbres ou non. Mais je veux savoir c'est où. Et si c'est la propriété de la ville, je veux savoir s'il va rester des arbres à côté du sentier. Anyway, I just want to
aussi view. Yeah. Je veux voir la photo aérienne. Mais ça dépend de la carte aussi et de l'âge de la carte. Exactement. Merci. Il n'y a pas d'autres questions? Je n'en vois pas. Alors, merci, M. Frenette. Vous avez travaillé le temps supplémentaire ce soir. Bien apprécié vos commentaires. Alors, autre question du public? Pas d'autres questions du public? Alors, on va... Une question? Oui. Sur la rue centrale, les autos... Comment on va dire ça? Le beau temps s'en vient. Avec le beau temps, les petits chars, ça sort. Les petits chars sport avec leur gros exhaust. Les guerres. Puis les guerres, ça nous réveille le matin, ça nous réveille le soir. Puis je propose de mettre une lumière qui démontre la vitesse entre le, c'est le Clarence Cormier et le Barachois. Puis, ça démontrait la vitesse des autos en descendant, surtout en descendant. Et puis, je crois que ça aiderait de ralentir les autos. Ça marche très bien sur la Charlottesville. Et je crois que ça marcherait bien sur la centrale. Je suis content d'entendre que ça marche bien sur la Charlottesville, mais moi, je peux vous dire que c'est un problème. On a le même problème sur la Charlottesville. Hein? C'est certain que ça sensibilise les gens, puis particulièrement dans celle-là en descendant. Je suis convaincu que le directeur général aura une bonne opinion là-dessus, parce qu'il lui, il arrive en bas là, chez eux. Ils sont pas mal à pleine vitesse à ce moment-là, puis dans une courbe en plus de ça. Oui, c'est ça. Ils les entendent aussi. On les entend tous. C'est un problème généralisé, je vous dirais, la question du bruit. Puis c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec la GRC, qui ils font venir essentiellement à l'occasion. Je peux pas dire qu'on... C'est pas moi qui les cédule, mais c'est une équipe spéciale de Highway Patrol qui vient une fois de temps en temps faire un tour dans la région. Puis il vérifie beaucoup la question des catalytic converters, toutes ces choses-là qui vérifient. Toutes les choses modifiées pour qu'ils font du bruit. Parce que tu vois, des petits péteux, des fois, ça ressemble même à un scooter, puis ça fait un train du diable. Je ne veux pas blâmer le diable, là, mais la réalité, c'est quand même ça. Puis c'est un problème. Puis bien souvent, c'est des gens qui demeurent sur la rue. Là. Oui, je le sais. Qui sont les plus coupables. Puis quand il y a des gens qui se font prendre pour l'excès de vitesse, c'est du monde qui reste sur la rue. Là, c'est bien souvent. Mais on continue toujours. On apprécie votre commentaire. Je crois que c'est une excellente idée. Je sais que je vois que notre directrice d'ingénierie en a pris note. Parce que c'est un dossier qui est sa responsabilité. Puis on sait que ça marche sur la Charlottesville, mais c'est pas toujours. Ça a amélioré la situation, disons. Je suis sûr, parce que... Ça a amélioré la situation. La citoyenne qui s'en plaignait le plus nous dit que ça a beaucoup amélioré. Merci beaucoup. OK? Merci. Merci, bonne fin de soirée. OK, alors, item numéro 9, l'adoption du procès-verbal de la dernière réunion. Il doit sûrement avoir quelqu'un qui serait intéressé de le proposer. Proposé par le conseiller Boudreau, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène maintenant au... 10.1.1, M. Melançon. Merci, M. le maire. Alors, pour ce dossier-ci, la Ville de Dieppe nomme un représentant pour voir aux intérêts de la municipalité sur le conseil d'administration de l'aéroport international de Dieppe, pour qu'on appelle le Grand Moncton. Alors, c'est pour un renouvellement de mandat de M. Jean Corriveau jusqu'au mois de juillet 2024.
Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil nomme Jean Corriveau au Conseil d'administration de la direction de l'aéroport international du Grand Moncton pour un autre mandat se terminant le 18 juillet 2024. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Et ça nous amène au 10.1.2, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, le sujet qui a été ajouté à l'agenda ce soir, alors, c'est une demande financière de la part de la communauté de Dieppe, des représentants de la communauté d'affaires et résidents, pour faire une contribution de 5 000 $. Ces fonds seront dirigés afin de transporter des biens pour des équipements et des produits médicaux. Alors, l'association ukrainienne et des gens de la communauté s'organisent, se rallient afin de venir en aide à la situation de la guerre en Ukraine. Alors, c'est une contribution qui est demandée à la municipalité pour assurer que les biens au niveau de médicaments et des produits soient apportés et transportés en Ukraine. Pour votre considération. Merci pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Monsieur le maire, que le Conseil autorise une contribution financière d'une somme de 5 000 $ à Sauvons les vies Ukraine pour acheminer des fournitures vitales au personnel médical de première ligne en Ukraine. En raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-20-28-2310 du budget de fonctionnement général, subvention aux organismes. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par, par la conseillère Leboutillier sur la question. Sur la question, Mme Godbout. Merci, M. le maire. J'ai quelques questions de clarification que j'aimerais avoir. Le premier, ce serait pour le monsieur, pour le directeur général. Est-ce que les employés, je vois la date est un peu tardive de la lettre, est-ce que les employés ont eu le bénéfice de faire la révision de la demande et de préparer une recommandation pour le conseil à cet effet? Alors, sur la question même, non. On a reçu un appel vendredi. La demande est rentrée aujourd'hui. Alors, c'est pour ça qu'on a inclus à l'agenda d'une manière particulière à l'agenda ce dossier. Alors, le personnel, on n'a pas fait l'analyse exhaustive. La seule chose que je pourrais mentionner, pour des raisons exceptionnelles, la municipalité a déjà fait certaines contributions. Ici, de mémoire, là, j'y vais par l'ouragan Katrina dans la Louisiane. Alors, on avait fait une contribution à ce moment-là au niveau de notre communauté jumelle qui est Carancro. Et si je me rappelle bien, ici, j'y vais vraiment de mémoire, c'est la situation en Haïti. Alors, dans le passé, on a déjà fait, pour des circonstances exceptionnelles, une contribution. Merci. Ma deuxième question, dans ces précédents-là de situations exceptionnelles, j'essaie de voir, est-ce que les contributions ont été données à des organisations particulièrement? Puis je soulève la question parce qu'une des choses que j'ai notées, puis sûrement c'est reflété par le fait qu'on n'a pas beaucoup de temps ici, mais la demande nous vient d'un individu. Alors, j'ai des questions à savoir, est-ce que c'est dans la pratique générale de la ville et dans nos méthodes de gouvernance financière, d'émettre des dons à des individus de ces montants-là? Et qu'est-ce que sont les procédures d'habitude qui sont mises en place à cet égard-là? Alors ici, on n'a pas eu le temps de faire un suivi tellement exhaustif. Alors on va s'assurer, on reconnaît quand même qu'ils sont rattachés avec l'association ukrainienne du Grand Moncton. Alors ça, c'est une entité reconnue de notre communauté, de notre région. Mais c'est certain qu'on va s'assurer que lorsqu'on fera notre contribution, ça sera en bonne et due forme, crédible, et la contribution sera faite en temps et lieu. Lorsqu'on aura toute validation de fait. Alors, on va s'assurer de faire ce suivi. Est-ce que j'ai compris, juste dans nos discussions préalables, que présentement, c'est sous forme d'un genre de financement social, là, un fonds, quelque chose comme ça, dans lequel c'est soulevé la demande? Je n'ai pas fait cette vérification-là. Alors, on va s'assurer, si le conseil souhaite faire cette contribution, que c'est possible. Ouais, j'avoue qu'au niveau des principes de bonne gouvernance là, de fonds publics, là, j'ai beaucoup d'hésitations à
a voté en faveur d'une proposition qui émet un montant à un individu et non pas une organisation, alors que si je regarde un peu qu'est-ce que la... certains des documents qu'on a reçus ou des organisations auxquelles la municipalité fait part, comme la Fédération canadienne des municipalités, certainement reconnaît un rôle des municipalités à prendre. Et puis, comme je dis, j'appuie l'idée d'un don. Là. Je suis en cœur et en âme avec les gens en souffrance dans le moment. Mais j'ai des défis au niveau de l'approche et de le fait que ça va un individu, alors que des fois, ils nous proposent plutôt des organisations comme la Croix-Rouge, des choses, des organisations avec lesquelles on a déjà eu... On connaît des crédibles. Alors, dans les situations exceptionnelles où on a déjà fait des dons dans le passé, est-ce que c'était à des organisations ou est-ce que c'était dans des cas d'individus dans ce cas-là? De mémoire, alors, parce que là, Katrina, c'est quand même plusieurs années passées. 2005, c'était la Croix-Rouge à ce moment-là. Haïti, je suis pas, j'ai pas l'information. Je pense qu'on pourrait sûrement... moi, je peux vous dire que lorsque la demande... c'est peut-être moi qui ai fait l'erreur, là. Quand la demande m'a été soumise, j'ai dit, est-ce que j'envoie une lettre sous mon nom ou de l'association ukrainienne de Moncton? J'ai dit, non, envoie-nous ça à ton nom, puis on va voir ce que le conseil en pense. C'est peut-être une erreur de ma part. Là, je pense que peut-être qu'on peut lui demander aussi d'ajuster ça comme une condition que le don soit fait... l'Association ukrainienne du Grand Moncton. Peut-être, je pourrais même proposer une modification à la résolution à l'effet que ça soit justement dirigé plutôt envers l'association plutôt qu'à Sauvons les vies Ukraine, là, qui oui. est présentement indiqué. Là. Disons, moi, mon niveau de confort serait beaucoup plus élevé au niveau de contribution des fonds publics puis gestion des fonds publics. Il n'y a rien comme un conseiller ou une conseillère qui est confortée. Donc, j'en ferai de la proposition, monsieur le maire officiel, qu'on modifie la proposition à ce que le montant soit attribué plutôt à que l'association ukrainienne du Grand Moncton. Et appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question? Vous avez une question sur... Cette proposition-là? Non. C'était okay. Les mêmes choses que Corinne mentionnait. Madame Godbout, oui. Ouais. Mm-hmm. OK. Vous voulez soutenir le même argumentaire essentiellement? Ça n'a rien à faire avec la nouvelle proposition. Non, c'est ça. OK. C'est ça. C'est beau. Autre question, M. Brideau, sur la proposition telle qu'amendée? Non? OK. Alors, c'est ça, j'allais dire. Alors, maintenant, ceux qui sont en faveur de la résolution telle qu'elle a été amendée, signifiez-la par un oui, ou de l'avis du conseil. Il faut voter sur l'amendement par avant, parce qu'on a déjà un proposeur pour la... Okay, excusez-moi. C'est une procédure. Concernant l'amendement, ceux qui sont en faveur de l'amendement, signifiez-la par un oui, oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'amendement est accepté. Maintenant, ceux qui sont en faveur de la proposition telle qu'elle a été amendée, signifiez-la par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Telle qu'amendée, plutôt. Excusez-moi. Et voilà. C'est alors maintenant au 10.2.1, l'entente avec les scouts de Dieppe. Alors oui, M. le maire, alors l'entente est devenue issue, c'était une entente de 5 ans. On propose de faire un renouvellement pour l'année 2022. Et la raison particulière pour ça, c'est qu'on est en train de faire une révision de nos politiques suite au plan maître de loisirs qui a été déposé et présenté au conseil. Alors, ça va permettre de faire cette révision et de revenir avec une entente possiblement renouvelée ou modifiée en temps élu. Alors, renouvellement, les mêmes termes et conditions pour l'année 2022 avec l'association SCOUT. OK, pour la lecture de la résolution, M. Lantaigne. Je le trouve. 10.2.1, voilà. Merci, M. le maire. Donc, le conseil accepte l'entente révisée conclue entre la Ville de Dieppe et Scout de Dieppe pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. J'en fais la proposition. Alors, proposé par le conseiller Lantaigne, appuyé par le conseiller Godette sur la question.
Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis oui. contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, pour la nomination au niveau de la Maison des jeunes, M. Melançon. Alors, ici, la municipalité a deux sièges sur le conseil d'administration de la Maison des jeunes. Alors, on a un membre qui représente le service des loisirs, un membre d'employés qui siège. Et ici, on demande de faire la nomination de Chantal Landry à titre de représentant de la communauté qui sera nommée par vous-même le membre du conseil. Alors, c'est pour officialiser sa nomination si vous le souhaitez et c'est pour un mandat de 2 ans se terminant le 31 mars 2024. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Boudreau. Merci, M. le maire. Que le conseil nomme Chantal Landry à titre de représentant de la communauté au conseil d'administration de la Maison des jeunes de Dieppe pour un mandat de 2 ans débutant le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2024. Je le propose. Alors, proposé par la conseillère Boudreau, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.3, ingénierie. Monsieur Melançon, 10.3.1. Alors, comme vous en rappelez bien, on a un programme d'infrastructure qui a été approuvé par le fédéral dans le cadre d'un projet de l'aviation, la phase 2B, qui a été annoncé. Alors ici, c'est pour continuer les plans de vie de cette phase. C'est pour retenir les services de Englobe Corporation au coût de 185 000 $ plus TVH. Alors les comptes sont identifiés où les dépenses vont être retirées des budgets. Alors c'est cette entité, cette firme de consultants qui a été retenue depuis le début de la planification de l'avenue de l'aviation. Alors ils ont beaucoup d'informations et de données et le travail se poursuit dans cette phase. Notre recommandation, c'est Englobe Corp pour ce service. Okay. Merci pour la lecture de la résolution, Mme Leboutillier. Merci, M. le maire. Que le conseil autorise Englobe Corp à entreprendre les services d'ingénierie en vue du projet intitulé Avenue de l'aviation, phase 2B et Nouvelle Acaduc, au coût de 185 000 plus TVH, et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur les comptes numéro 3-3-35-58-7665, budget d'immobilisation générale, expansion parc industriel, aviation, phase 2B, et numéro 4-3-90-58-7665, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, expansion parc industriel, aviation, phase 2B. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Leboutillier, appuyé par le conseiller Thibodeau, excusez-moi, sur la question. Question, M. Godet. Oui, monsieur le maire, j'ai seulement une question pour la ville appartient-elle du terrain d'aviation phase 2? Puis l'enlignement de la nouvelle Acaduc, comme la ligne bleue là, dans la photo à page 81. Tout ça qu'on bleu, c'est-tu tout des terrains faut qu'on acquise ou? Madame Spencer. Madame Spencer, rebonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Conseiller Godet, la ville n'appartient pas les terrains. Mais en partie, donc il y a une partie le long de l'autoroute qu'on va avoir besoin d'une autorité du ministère des Transports et de l'Infrastructure. On les a déjà rencontrés, ils sont au courant du projet. Ensuite, une fois qu'on revient du côté sud de l'autoroute, c'est le chemin Arsenault qui est déjà un chemin public. Et il va aussi avoir quelques achats de terrain qui seront nécessaires un peu plus bas. Pour l'alignement. Donc, c'est pour ça qu'on veut procéder avec la conception pour finaliser l'alignement puis pouvoir procéder à ces acquisitions. OK. Merci. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée.
au 10.4 maintenant, M. Melançon. Alors, juste pour vous rappeler que le Conseil avait donné, autorisé qu'on a un appel d'offres conjointement avec la ville de Riverview. Alors, l'exercice a été encouru par un appel ou une expression d'être un appel de contrat. Alors, vous avez devant vous, suite à cet exercice, on a reçu deux propositions et vous avez devant vous un contrat de 5 ans pour la collecte et l'élimination des déchets avec Miller Waste System pour un montant de $4,096 plus TVH. Et ici, c'est pour un contrat de 5 ans et qui comprend tous les éléments de la collecte de nos ordures pour cette période de temps. On a également dans l'entente une possibilité de prolonger l'entente de 2 ans. Alors, si les deux parties s'entendent bien que le service est de haut niveau, on a l'option de pouvoir le prolonger en temps et lieu. Mais pour le moment, c'est les 5 ans que vous autorisez ce soir. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Brideau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le contrat de 5 ans visant le service de collecte et d'élimination des déchets résidentiels et le service de collecte et d'élimination des déchets des bâtiments municipaux pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2027 au soumissionnaire le moins 10 ans, soit Miller Waste System Incorporé, au coût estimé de $4,096,000. Plus TVH et de $265,000 plus TVH respectivement, conformément à sa proposition en date du 17 février 2022 et autorise que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 1-2-42-69-2690 du budget de fonctionnement général enlèvement des déchets solides. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Boudreau sur la question. Madame Leboutier sur la question. Oui, merci, Monsieur le maire. Mais premièrement, félicitations pour la belle initiative. C'est un bel exemple de partenariat, puis la ville, les citoyens sont certainement gagnants de ça. Ma question, c'était plutôt une question d'intérêt et d'information. Je me demandais, avons-nous, dans le passé, regardé à l'efficacité, aux avantages, aux désavantages des camions à bras et des coûts et des bénéfices à long terme qu'on pourrait avoir d'avoir un tel système comparé aux autres. Est-ce que ça a déjà été fait? Monsieur Bourque, si vous le permettez. Monsieur Bourque, bonsoir. Bonsoir. On n'a pas d'analyse approfondie qui a été faite de ce côté-là, mais c'est quelque chose à discuter avec le contracteur pour les collectes pour les années futures. Des ajustements peuvent toujours être apportés. Les camions à bras, c'est aussi l'implication, c'est au niveau des barils que les gens utilisent aussi. Ce n'est pas toujours fait pour le camion. Ça fait que, on comprend qu'il y a plusieurs municipalités ailleurs qui utilisent différents systèmes. Et dans cette analyse ici, dans cet appel d'offres ici, ça n'a pas été un des éléments, mais c'est des choses qu'on peut discuter. Là maintenant, si on approuve ce soir le contrat, c'est sûr qu'il n'y aura pas de changement la première année. On a des opportunités maintenant de discuter avec ce fournisseur ici pour la façon que la collecte va se produire durant les 5-7 prochaines années. Bien, merci. J'aimerais dans les années futures qu'on regarde certainement voir s'il y a une efficacité à gagner, autant au point de vue des coûts à long terme, au moins qu'on fait le devoir de faire cette étude-là. Si qu'est-ce qu'on fait est correct, et si oui, bien super. Sinon, bien, en regardant, changer pour voir s'il y a de l'efficacité, c'est tout. Merci beaucoup. Merci, M. Lantaigne. Merci, M. le maire. Je suis curieux de savoir, est-ce que ça a déjà été... Je sais que ça avait été proposé à un moment donné, je pense, c'est par des étudiants de l'école Mathieu Martin, puis quelqu'un m'a posé la question l'autre fois, parce qu'on parle beaucoup d'environnement et tout ça, c'est ça, à savoir, ces camions, les vidanges pourraient être mis du même côté du chemin pour empêcher un va-et-vient des camions. Je ne sais pas qu'est-ce que ça implique, mais on m'a posé la question si la ville avait jamais considéré ça. Donc, j'aimerais d'entendre...
Je vois des faces, donc j'imagine que ce n'est pas si évident que ça. Je peux en parler amplement. OK. Parce que je pense que c'est mon premier mandat de retour en 2012. Je pense que ça avait été soulevé, puis on a fait affaire avec cette question-là. Le genre de pushback qu'on a eu de la part des citoyens, c'était « je ne veux pas les vidanges de mon voisin dans ma cour chez nous ». OK? Ça, ce n'était un. L'autre chose, c'est en termes de santé, sécurité, la personne qui… Si on permettait pas, il fallait à ce moment-là que les ouvriers traversent la rue, OK, pour aller chercher les vidanges. Donc là, c'était une question de sécurité. Je regarde M. Richard parce que je sais qu'il était impliqué aussi dans le dossier à l'époque. Je ne sais pas si vous auriez d'autres choses à rajouter, M. Richard. Bien, sur le dossier, on avait fait quand même un exercice de participation du public assez… exhaustif. Oui, on avait fait des projets pilotes sur différentes rues, on avait rencontré les gens dans la rue et ces choses-là. Donc, comme M. le maire le mentionne, ça n'avait vraiment pas été concluant. On avait vraiment des objections quand même majeures. Puis la question de sécurité, c'était non seulement pour les gens qui collectent les ordures, mais les gens aussi qui ont besoin de traverser la rue avec leurs ordures. Il y avait tous ces côtés-là aussi de sécurité. Ça fait qu'il y avait plusieurs autres aspects qui sont sortis, mais c'était vraiment pas concluant pour aller de l'avant. Là. Puis les bénéfices non plus au niveau d'économie de gaz à effet de serre, là, si j'ai pas de mémoire, il me semblait que c'était pas si élevé que ça en bout de ligne. Là. Okay. Puis on regardait plutôt peut-être à ce moment-là, on serait peut-être avantagé de regarder à des camions électriques ou des camions de ce côté-là au niveau d'économie de gaz à effet de serre. Ça fait que c'était pas concluant, là, mais on avait quand même fait un bon exercice de consulter les gens pour comprendre tous les points de vue. OK, ben c'est ça. On m'a posé la question. Le fait que les gens ne veulent pas les vidanges de leur côté, ça c'est pas une bonne excuse, là, parce que ça, tu peux alterner un an, mais… Pour le reste, je peux voir que question de sécurité et tout ça, puis si ça n'a pas été conclu, c'est pas conclu au niveau de l'environnement. Mais en tout cas, lorsqu'on me posera la question, je saurai quoi répondre. Merci beaucoup. Tout est aussi les sacs rejetés, si c'est acquis. Oui, c'est ça. Parce que. Fait que. Oui, c'est ça. Alors, vous pouvez voir le genre de discussion qu'on a eue dans le passé avec ce chose-là, là, puis. Ouais. On a vécu le vent aussi dernièrement. Oui, c'est ça. Avec les grands vents qu'on a eus dernièrement, c'est encore là. C'est… Oui. Alors, oui, c'est certain que moi, j'ai vécu une période de ma vie, j'ai vécu dans une municipalité où on mettait ça au chemin, puis il y avait un gros camion qui passait avec des gros bras mécaniques pour ramasser ça. Je sais que la ville de Moncton a examiné ce potentiel-là, puis je crois qu'il y avait une question de sous. Que tout le monde ait le même bac. Aussi. C'est ça. Parce qu'il faut que les gens aient tous le même bac. Fait qui est-ce qui achète les bacs? L'autre question qui avait survenu sur la discussion à Moncton, essentiellement, je pense que dans l'étude, c'était quand même moins coûteux, surtout qu'ils sont comme nous. Ils contractent la majorité de leurs choses, mais je sais qu'ils ont aussi encore quand même un certain montant du travail qui est fait par des employés syndiqués aussi. C'est tout un méli-mélo dans les trois communautés. C'est pour ça qu'on a choisi d'ailleurs de… j'imagine, là, je ne fais pas partie de cette décision-là, mais j'imagine que de s'accoter avec nos amis, de partager ça avec nos amis de Riverview. De toute évidence, il devait avoir des bénéfices de ce côté-là aussi pour le contracteur, parce qu'il y a, un plus gros volume. Il y a toutes sortes de bonnes choses qui ressortent en termes d'amélioration, j'imagine. Merci pour les questions. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas. On a entendu la résolution, il ne reste plus rien qu'à voter. Alors, sur la question, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui, de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. « 10.4.2, adjudication de marché pour l'achat de camions.
Alors ici, en cas de notre programme de flotte municipale, vous avez devant vous l'achat de 3 camions. Alors un camion à 2 roues motrices et 2 autres camions à 4 roues motrices. Et c'est un contrat totalisant 45 295 et 97 644. En totalité, alors c'est pour approbation et ça cadre à l'intérieur du programme de notre flotte municipale. Suite à l'évaluation du personnel, ces 3 véhicules sont... On fait aussi une réduction au niveau de la grosseur du camion. Alors c'est aussi un autre élément positif au niveau de l'environnement. Alors c'est pour votre recommandation et considération. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Godette. Que le conseil adjuge le marché visant à l'achat d'un camion Chevrolet Silverado 1500 à 2 roues motrices et l'achat de 2 camions Chevrolet Silverado à 4 roues motrices pour le service des travaux publics à Lawsbury Automobile Limited au coût de 45 254 044 plus TBH et de 97 644 TBH, respectivement, conformément aux propositions en date du 16 janvier 2022, et autorise que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-20-12-7901, budget d'immobilisation générale, achat d'équipement général, TP, je te le propose. C'est au mois de février. Au lieu du mois de janvier, oui. Et non janvier. C'est bien. Juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Ceci étant dit, pour appuyer la résolution, Madame Boudreau, alors sur la question. Question, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Je suis surpris que pour quelque chose comme ça, qu'on avait seulement eu une soumission. C'est selon le directeur ou le chef de secteur, c'est la réalité d'aujourd'hui au niveau des achats des véhicules. Alors, on pense que ça va même prendre 12 mois avant de les recevoir. Alors, c'est la réalité du marché. Ah bon. OK. Mais on a suivi les procédures d'appel d'offres publiques avec NBO et etc. C'est bon. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la résolution au 10.4.2 est acceptée telle que présentée. 10.5, planification et développement. 10.5.1, recommandation du CCU sur un plan provisoire. Monsieur Valençon. Le lotissement Rue-Évolution, alors ici, c'est pour l'emplacement de la rue et l'élargissement de la rue. Évolution. Le CCU ont fait la recommandation. C'est pour votre considération. Pour la lecture de la résolution, Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. Je prends l'occasion de remercier le comité du CCU et je fais la proposition que le conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan provisoire du lotissement rue Évolution, lequel prévoit l'emplacement et l'élargissement de la rue Évolution. Je vous le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par la conseillère Godbout, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, on en est au 11.1. Monsieur le maire, on va noter que Monsieur Lantaigne s'enligne vers la sortie, ayant déclaré un conflit d'intérêt potentiel. Alors, pour la lecture de l'arrêté Z9-20-2017, modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal, pour la première et ensuite sera suivi par la deuxième lecture par titre seulement. Monsieur Thibodeau, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z9-2017-6, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je vous le propose en première lecture par titre seulement.
proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Sur la question, Madame Godbout. Merci. Je voulais mieux comprendre, puis c'est, je pense que ça se fait dans le, la question se fait dans le contexte un peu de la, des arrêtés 11.1, 11.2 et 11.3 ensemble, dans le sens que c'est des terrains qui se, se rapprochent un à côté de l'autre. Je voulais juste comprendre l'idéologie derrière la proposition de l'arrêté pour modifier le plan d'aménagement municipal, dans le sens un plus gros portrait, là, puis tu nous mets ça dans son portrait plus gros. Le corridor, l'idéologie derrière changer un petit terrain et un autre petit terrain avec des zonages différents, assez différents aussi. Alors, je veux comprendre ça dans son plus grand concept parce qu'on adopte le plan municipal avec une idéologie, puis là, on semble oui, détortiquer un petit peu à point. Puis, oui, une bonne question. J'ai été plus vite, ouais, que vous, M. Salas. Oui, de la fatigue. C'est ça. Oui, garde. Ici, on avait un cas particulier, je devrais dire. Puis je pense que ça avait été expliqué aussi dans le rapport que nous, à l'époque, on n'aurait pas nécessairement fait la recommandation de permettre des multifamiliales dans une zone institutionnelle. Puis, par contre, ça a quand même été gardé dans l'arrêté. Dans l'arrêté de zonage qu'on a à l'heure actuelle. Donc, suite à ça, nous, on voyait vraiment une distinction à un terrain que la vocation était institutionnelle ou s'il y avait une église. Par la suite, on a eu une construction d'un bâtiment commercial ou ce qui abrite son commerce de plomberie. Puis, il voulait aussi faire un bâtiment multifamilial sur le terrain. Mais nous, on voyait vraiment que la vocation des deux usages sur le même terrain ou même lotir, était différent d'une vocation ou d'un usage qu'on verrait dans une zone institutionnelle. Donc, malgré le fait qu'un multifamilial est permis dans une zone institutionnelle, nous, on jugeait que c'était bon d'amener ça à un type de zonage qui est plus homogène avec le reste des typologies de multifamilial sur le territoire de la municipalité. Donc, on propose de rezoner le multifamilial à une vocation R3. Puis, pour ce qui est du bâtiment commercial, on veut justement là, s'assurer que la vocation soit une vocation commerciale. Parce qu'on avait un terrain qui était institutionnel à prime abord. Puis là, où il y avait une église, là, on a un multifamilial, puis on a un commerce avec un entrepôt. Commercial avec un entrepôt. Ça fait, étant donné que les deux usages étaient permis, on voulait quand même s'assurer qu'on identifie un zonage, comme que je dis, homogène avec le même type d'usage là, qu'on peut trouver ailleurs dans le territoire de la municipalité. Ça répond à votre question? Merci. Aucune autre question? Alors, si ils sont en faveur de la on accepte en première lecture l'arrêté Z9-2017. Signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté Z9-2017 est accepté en première lecture et nous allons maintenant procéder avec la deuxième lecture, encore une fois, par titre seulement. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-9-2017-6. Un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je vous le propose en deuxième lecture par titre seulement. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau et qui avait été appuyé par Mme Boudreau, je crois. Conseiller Brideau. Ah, conseiller Brideau, excusez-moi. Alors, sur la question, encore une fois. Aucune autre question? Alors, pour le vote, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'arrêté Z9-2017 est accepté en deuxième lecture, encore une fois, par titre seulement. Et ça nous amène à l'arrêté Z10-2021, modifiant l'arrêté de zonage, encore une fois, pour la première et deuxième lecture. De cet arrêté Z10-2021. Monsieur Brideau, s'il vous plaît.
l'arrêté numéro Z10-2021-1, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je vous le propose, monsieur le maire, en première lecture. Alors, par titre seulement, excusez-moi. Merci. Présenté par titre seulement en première lecture pour l'arrêté Z10-2021-1. Pour le vote, qu'est-ce qui appuie la résolution, M. Thibodeau? Alors, pour le vote, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. 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 De l'avis contraire, par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Et pour la première lecture du Z10-2021-1. Maintenant, pour la deuxième lecture du même arrêté Z10 de l'année 2021-1. Encore une fois, pour la lecture, M. Brideau. Arrêté numéro Z10-2021-1, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je vous le présente, je vous le propose, M. le maire, en deuxième lecture. Merci. Par titre seulement. Encore une fois, par titre seulement, proposé en deuxième lecture par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la proposition, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée en deuxième lecture par titre seulement. Ça nous amène maintenant à l'item 11.3 pour l'arrêté Z9-27, trait d'union 7, arrêté concernant le plan d'aménagement municipal. Encore une fois, en lecture par titre seulement, en première lecture, Madame Boudreau, par titre seulement. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z9, (2017-7), un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je le propose. Alors, proposé en première lecture par la conseillère Boudreau, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution pour l'arrêté Z9 pour l'année 27-7, modifiant l'arrêté, est acceptée en première lecture par titre seulement. Nous allons maintenant procéder à la lecture, la deuxième lecture, encore une fois, par titre seulement. Encore une fois, Madame Boudreau, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-9-2017-7, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je le propose. Alors, encore une fois, proposé en deuxième lecture par titre seulement par Mme Boudreau, qui est appuyée par le conseiller Godette, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. 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 De l'avis contraire, par un non. Alors, l'arrêté Z10-2021 modifiant l'arrêté de zonage est accepté en deuxième lecture, encore une fois, par titre seulement. Ça nous amène à l'item 12, avis de motion. Aucun avis de motion. 11.4. Oh, excusez-moi, j'ai sauté vers le dessus le 11. On vient de faire 11.3.2. Non? Oui. On est rendu à 11.4.1. Merci. Pour Z10, première lecture. Encore une fois, Mme Boudreau, vous êtes bien en voie. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-10-2021-2, un arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je le propose. Proposé par la conseillère Boudreau, appuyé par la conseillère Leboutillier. Alors, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. 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 Par un non. Alors, Z10-2021 est accepté en première lecture. Nous allons maintenant procéder avec la deuxième lecture. Madame Boudreau. Merci.
Arrêté numéro Z-10-2021-2, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je le propose. Proposé par la conseillère Boudreau, qui est appuyé par la conseillère Leboutillier, pour la deuxième lecture du Z-10-2021. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Merci bien. Et là, ça nous amène à l'avis de motion. Aucun avis de motion. Ça nous amène à la demande de renseignement et annonce de la part des membres du Conseil. Et je crois que je commence avec M. Lantaigne. On va lui donner la chance de prendre son souffle. Et là, vous avez eu votre 5 secondes. Maintenant, vous pouvez avoir votre 4 minutes. Merci, M. le maire. 3 minutes et 55 secondes. J'ai rien à dire ce soir, sauf que vous souhaitez une bonne soirée. Merci bien. Madame Godbout. Merci, M. le maire. J'avais 2 points que je voulais aborder ce soir. Premièrement, je voulais faire un remerciement aux résidents qui se sont déplacés ce soir pour participer à notre réunion et faire connaître leurs réflexions et opinions quant à l'importance accordée aux arbres comme actifs naturels dans notre belle ville. Votre présence apporte valeur et pouvoir aux recommandations qui favorisent un arrêté municipal qui protège de façon plus claire et précise nos actifs naturels, comme les arbres et nos forêts urbaines. I think this tonight you were in fact preaching to the choir a little bit for some of us. You asked how we continue ce travail-là, alors j'ai apprécié votre présence ici ce soir. J'ai certainement retenu que les sentiers sont des actifs naturels et l'idée que les sentiers soient protégés par un arrêté pour protéger les 3 mètres sur chaque côté était importante et que les sentiers étaient à développer. J'ai aussi entendu que ça faisait partie de notre loisir, notre plan de loisir, puis je pense que ça c'est aussi c'est reconnu. J'ai entendu la responsabilité des développeurs à replanter des mesures temporaires en attendant l'arrêté. On n'avait pas parlé de ça, j'ai retenu ça. Puis l'offre de planter des arbres est sous-utilisée par nos citoyens. Alors, c'est tous des bons commentaires que j'ai retenus dans nos discussions ce soir et je vous en ai très reconnaissant. Thank you for the people who rallied the people to attend. Merci pour les personnes qui assistaient cette heure que les citoyens, la plainte des citoyens a fait différente. Mon deuxième point ce soir, c'était, je voulais faire un suivi sur quelque chose qu'on avait discuté dans le cadre de la journée des Autochtones le 20 septembre dernier. On avait parlé un peu de la Commission de vérité et réconciliation du Canada dans le temps. J'avais peut-être une question, une réflexion que je n'ai pas donné une réponse ce soir non plus. Là. Je voulais juste poser deux choses. À un moment donné, j'aimerais savoir quels sont les processus que la Ville a pris ou dans la municipalité qu'on a pris jusqu'à date pour faire avancer le processus de réconciliation. Puis améliorer peut-être les compétences culturelles de nos employés et nos citoyens. Je pense que c'est un effort qu'on peut faire pour nos employés, pour leur soutenir là-dessus, incluant les conseillers. Puis je soulève la question en partie parce que j'ai noté qu'on ne fait pas de reconnaissance de territoires autochtones non cédés devant nos réunions. Puis c'est une tradition qui se présente de plus en plus. C'est un signe de respect lorsqu'on fait des échanges avec les cultures autochtones. C'est quelque chose qui valorise. Puis je le soulève maintenant en partie parce qu'on est en train de, comme ville, soumettre des projets, des suggestions qui ont des projets futurs qui requièrent une interaction, une collaboration plus étroite avec les communautés autochtones. Alors, ça serait une façon de s'assurer que lorsqu'on va faire ces devances-là de partenariat, que c'est bien reçu et c'est bien commencé sur le bon pied. Alors, j'aurais aimé, je soulève l'enjeu comme étant quelque chose que je pense qu'il faut qu'on apporte un peu de réflexion dans les prochaines semaines à comment on peut commencer à mieux refléter les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation ici au Canada dans notre municipalité. Merci. Merci. Non, trop tard. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Je n'ai rien ce soir, aucune question, aucune annonce à faire. Étant donné le terrain gagné, Monsieur Lantaigne, exceptionnellement, vous êtes maintenant en dette.
Merci, M. le maire. Non, juste, je pensais après que Mme Godbout a parlé là, pour les gens qui étaient ici ce soir. Juste une chose, j'aimerais que, tel que je l'avais mentionné dans le courriel, qu'on regarde sérieusement à la possibilité, je dis bien la possibilité de pouvoir faire une plantation d'arbres le long du sentier qui longe la Tranquille. Donc, j'aimerais qu'on puisse sérieusement regarder à ça. Puis, si on peut nous revenir avec si c'est possible ou pas, ou des recommandations. C'est tout, merci. Merci. Monsieur Thibodeau, vous n'avez rien ce soir, si j'ai bien compris. Madame Turgeon-Roy. Oh, oui, c'est vrai, Madame Turgeon-Roy. Merci beaucoup. Ben vraiment, je pense que Marc a volé mon idée. On lui a donné une autre chance, mais en tout cas, c'était vraiment aussi pour faire, pour remercier les gens qui ont pris l'opportunité de venir nous parler ce soir, donner leurs idées. Je voulais faire du pouce un petit peu sur qu'est-ce qu'une madame a dit, que les pertes qui sont faites tout de suite, vraiment, on ne peut pas les récupérer, mais ça serait vraiment bien de voir un plan d'action et voir comment est-ce qu'on pourrait remplacer ces pertes-là et c'est quoi, ça serait la faisabilité de ça. Puis c'est un petit peu que comment le conseiller Lantaigne a dit, voir à peut-être une replante d'arbres, puis voir qu'est-ce qui est possible de faire. Ça fait que ça, c'était mon petit grain de sel pour ce soir et je vous souhaite une belle semaine. Merci, à bientôt. Monsieur Brideau. Merci, Monsieur le maire. Je n'ai rien à ajouter ce soir. Souhaite de bonsoir à tout le monde, à tous nos résidents. Merci, Madame Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Moi aussi, j'aimerais remercier les gens qui sont venus ce soir. C'était vraiment enrichissant de vous entendre. Puis sinon, bonne semaine. Merci. Merci bien, Madame Leboutier. Oui, merci, Monsieur le maire. Puis moi aussi, Denise, merci à tous les citoyens qui se sont déplacés. Il y a certainement des belles idées qui ont sorti et dont je vais en faire une recommandation maintenant, c'est que qu'on regarde à la prochaine arrêtée, qu'on va travailler sur notre code de l'arbre. Dans l'arrêté Z10, ma mémoire, 327-1B, quelque chose comme ça, là, on a une zone tampon qu'on ajoute spécifiquement pour nos sentiers, si c'est faisable, là, qu'on regarde dans l'analyse la faisabilité dans nos sentiers de regarder aussi à une zone tampon. Mais non seulement ça, on a un expert qu'on a engagé. Qu'est-ce qui serait son avis? Est-ce que 3 mètres? Est-ce que le 3 mètres, premièrement, notre zone tampon? Ouais, ça fait que c'est ça. Qu'est-ce qui serait la bonne distance? Puis même la zone tampon maintenant, est-ce que notre zone tampon est correcte? Est-ce qu'elle se doit d'être révisée, cette zone-là? C'est ça que c'était une chose que j'aimerais qu'on avec la nouvelle arrêtée qu'on va proposer, qu'on puisse regarder à ça cette fois-ci et non attendre à plus tard. De plus, j'aimerais, je ne sais pas pourquoi, mais l'arrêté Z10, elle n'est pas sur le site Internet. On a juste une map. Puis, est-ce que c'est parce qu'elle est en révision ou... Parce que c'est d'ailleurs... On reçoit souvent des gens, c'est difficile à trouver l'information sur le site web, puis il y a justement un processus en place là, pour faciliter vos... l'utilisation du site web. L'information et l'arrêté comme tel, l'arrêté de zonage est sur le site web, mais c'est extrêmement difficile à le trouver. Je vous le conseille. Moi, alors, je peux vous confirmer que j'ai regardé à 3 reprises. Il n'y a pas de Z10-là, à part la main. On est en train de faire une révision de notre site web. Ça fait déjà... on a fait un exercice d'un an, là, alors on vous avait informé de ceci. La date est proche de le... on sait le nouveau site web, là, alors... je ne peux pas vous dire la date ce soir, moi je sais qu'on est très proche. Alors ça s'en vient pour justement cadrer ou régler ces défis. Ben, merci beaucoup. C'est tout pour moi ce soir. Merci, Monsieur Godet. Merci, Monsieur le maire. Moi et tout, là, je voulais remercier le monde qui est venu ce soir, qui s'est déplacé. On parlait des arbres, puis c'est important qu'on élargisse les sentiers pour qu'il y ait plus d'arbres. Puis ma deuxième chose, c'est... les chiens dans les sentiers. Oh. J'ai eu quelque chose vendredi passé. Je marchais dans les sentiers, puis il y avait une dame en avant de moi qui marchait, puis il y avait de la boue là partout, puis
Il y a un chien qui a pris Paul, cette madame-là, puis elle a juste, elle a gelé, elle a grouillé plus, puis le chien a sauté dessus. Puis lui qui appartenait au chien a crié après le chien, puis le chien n'a pas arrêté. Puis je trouve que moi, ça m'est arrivé. Moi, je marche beaucoup dans les santé puis les parcs, puis ça, moi, ça m'est arrivé une couple de fois. Moi, je n'ai pas peur des chiens, mais du monde qui a peur des chiens. Puis il y a de toute façon d'âge de monde qui marche là, et des jeunes à plus vieux. Puis il y a des enseignes partout, je ne sais pas à cause, peut-être ça prend-il des plus grosses enseignes. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'est la réponse, mais c'est dangereux. Puis c'est pas plaisant, un chien plein de base qui te saute dessus. So, il n'y a pas de lèche. J'ai été voir de nouveau avant que je vienne ici, des enseignes partout, dans toutes les entrées, des sentiers. Puis il y a une grosse enseigne en entrant. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais c'est dangereux. Puis c'est pas tout le monde. Tout le monde va là pour prendre une belle marche, peut-être, pas pour se faire sauter. So. Anyway, c'est ça que j'avais à dire. J'ai vécu ça vendredi passé, puis moi, ça m'est arrivé tout. Puis, je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais. Peut-être quelques idées, M. Simard. Oui, merci, M. le maire. On a un arrêté sur le contrôle des chiens, donc possibilité de faire de plainte. On a une partie de cet arrêté-là aussi qui traite des chiens dangereux, qui mordent ou tentent de mordre. Donc, les personnes habituellement vont contacter le service d'exécution des arrêtés, mais maintenant, on a un service aussi des chiens qui s'occupe exclusivement des chiens, puis tous ces éléments-là sont couverts par le contrat. Donc, s'il y a quelqu'un qui a des problèmes comme ça, là, n'hésitez pas à contacter la ville. Là. On va référer aux bonnes personnes. Puis c'est un service qui est techniquement 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Donc, qui est bilingue certainement sur les heures de bureau. Là. Les soirs, les fins de semaine, ça peut arriver qu'il y ait du service uniquement en anglais. Mais en général, les gens vont s'organiser pour pouvoir répondre en français. Il y a un arrêté pour ça, il y a des amendes, il y a tout un système et un processus qui est mis en place pour les chiens. Là. Ça fait partie de la sécurité des gens en général, que les villes sont obligées de mettre en place. Ben, peut-être que les personnes en charge de ça, peut-être pour y aller. Oui, absolument. Ça. Parce que moi, j'en vois, après les deux jours, j'en vois qui. Ça fait partie. Ça fait partie du contrat et du mandat qu'ils ont de patrouiller, mais je n'ai pas encore vu s'il y a eu des patrouilles. Là, je peux faire des vérifications auprès de notre service d'exécution des arrêtés qui gère ce contrat-là avec la compagnie. Mais oui, la patrouille fait partie du mandat, la visite par les maisons aussi pour vérifier que les chiens sont médaillés. Il y a toutes sortes de choses qui sont prévues là, pour cet organisme-là. OK, merci. Merci. De mon côté, il n'y a rien qui me vient immédiatement à l'idée. Alors, au lieu d'essayer d'inventer quelque chose. Non, sérieusement, vraiment, le seul commentaire que j'ai considérant les grandes discussions qu'on a eues ce soir, puis moi aussi, je veux remercier les citoyens qui sont venus s'exprimer. Je peux vous assurer que mon grand souhait, c'est qu'on le fasse une fois, puis qu'on le fasse bien, puis qu'on n'ait pas besoin d'y revenir parce qu'on sait que c'est des sujets qui sont déchirants pour tout le monde, autant pour les gens que pour le personnel, que pour les développeurs. Alors, c'est le genre de discussion qu'on veut avoir, d'une discussion franche et essayer de couvrir tous les aspects de la discussion de façon à le faire une fois et de bien le faire. Là-dessus, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et on se revoit la semaine prochaine.